Bon, on est en petit comité, mais vous avez eu raison de rester. Parce que je crois que la conférence à laquelle on va assister, c'est sans doute la plus belle conférence du marathon, et je le dis sincèrement, tel que je le pense. Tellement belle que je ne vais pas en parler, disserter longuement dessus. Je voudrais juste lire le texte d'introduction que m'a envoyé Ludivine Bantigny, qui est maîtresse de conférence en histoire à l'Université de Rouen et qui va donner cette présentation. Elle écrit « Il fut un temps pas si ancien où l'on imaginait que l'histoire aurait une fin, qu'elle s'éteindrait et qu'il n'était plus utile de concevoir autre chose que le monde tel qu'il est. Frank Fukuyama avait conçu cette fin comme le triomphe de la société néolibérale à l'échelle mondiale. Face à cette prophétie, il s'agit ici de faire une histoire des espoirs, vue comme autant de renaissances. Une telle approche s'interroge sur l'impossible extinction des alternatives comme antidote à la résignation. La pensée et la pratique de ces alternatives conduisent à s'armer de courage pour affronter le discours des fins, car l'histoire montre que l'espoir n'est jamais éteint. On peut y aller. Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureuse de rejoindre cette année le Festival de Florence et je remercie très chaleureusement tout d'abord son principal organisateur Bruno Monfilier pour la confiance qu'il m'a faite en renouvelant son invitation dans cette édition particulière. Et évidemment, je regrette de n'être ici que de manière virtuelle. Merci à toute l'équipe d'organisation. Un salut aussi chaleureux à Jean-Philippe Usan qui lui aussi m'a renouvelé cette confiance et je l'en remercie beaucoup. Et puis, je tiens aussi à remercier pour leur bienveillance et leur indulgence l'équipe qui enregistre cette vidéo et tout particulièrement Fabrice et Franck. Alors, je ne prétends pas, évidemment, en historienne, traiter de manière exhaustive d'un sujet aussi vaste, aussi immense finalement et considérable, mais passionnant, que le rapport entre extinction et renaissance. En discutant avec Bruno Monfilier, nous avons décidé de restreindre le sujet à l'un de ses angles d'approche, c'est-à-dire le rapport entre la fin présumée ou proclamée de l'histoire et au contraire les renaissances d'espérance en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous le voyez, j'ai intitulé cette proposition « Une histoire des espoirs contre la fin de l'histoire ». En effet, vous vous en souvenez sans doute, en tout cas pour celles et ceux qui ont connu de près les années 1980, il fut un temps où on a proclamé la possible extinction de l'histoire. L'histoire aurait une fin, elle s'éteindrait. Ça avait été théorisé par Francis Fukuyama, sur lequel je vais bien sûr revenir. C'est-à-dire que finalement, ce que voyait Fukuyama, c'est le triomphe d'une société néolibérale à l'échelle mondiale et aucune autre perspective que le monde tel qu'il est. En somme, c'était l'espoir d'une alternative qui était lui-même éteint. Alors, face à cette prophétie, il s'agit au contraire de proposer une histoire des espoirs vue au même comme une renaissance, mais aussi comme des formes d'antidote à la résignation. Ce qu'il s'agit de montrer, c'est au fond l'impossible extinction des alternatives imaginées, puisque l'histoire nous indique que l'espoir, justement, n'est jamais éteint. Alors, pour traiter de ce sujet dont je suis bien consciente qu'il est aussi politique, il est historique, mais aussi politique dans le sens large du terme politique, c'est-à-dire la chose commune, la police dans la cité
grec, c'est le bien commun, hein, c'est la chose partagée. Eh bien, je vous propose de naviguer entre, d'une part, justement, cette thématique de la fin de l'histoire, de l'extinction de l'histoire, pour mieux cerner ensuite comment on peut faire, à l'inverse, une histoire des espoirs en tant qu'ils peuvent constituer des formes de renaissance de l'imagination créatrice, de l'imagination elle-même historique, et dans cette mesure aussi politique. C'est la raison pour laquelle je parlerai, en suivant l'expression de Louise Michel, des émergements possibles, hein, c'était sa formule, les émergements possibles en tant que renaissance d'un monde nouveau. Et je terminerai cette présentation en évoquant de manière très contemporaine, vous allez le voir, les passés qui sont eux-mêmes présents, mais en tant qu'ils sont aussi récalcitrants. Finalement, dans ces renaissances, il y a toujours un rapport vivant au passé. Le passé, justement, n'est jamais éteint. Il n'y a pas d'extinction du passé. Et dès lors, on peut récuser cette fameuse thèse de Fukuyama à propos de la fin de l'histoire. Et c'est bien par ça que je souhaiterais commencer, puisqu'il a été question d'extinction du processus historique. C'est ce que Francis Fukuyama a imaginé à la fin des années 80, puis dans un essai qu'il a publié en 1992, comme vous le voyez ici, « The End of History and the Last Man », donc « La fin de l'histoire et le dernier homme ». Que soutenait Francis Fukuyama dans cet essai qui a fait un bruit considérable d'un point de vue médiatique et politique à l'échelle internationale, l'extinction de toute histoire nouvelle possible. On était parvenu à, si j'ose dire, la fin des fins. Ce n'est pas la der des der au sens où on l'avait entendu pendant la Grande Guerre, mais c'était la finalité enfin achevé, enfin réalisé, de l'histoire. Évidemment, il y a là tout un contexte lui-même profondément historique, et en particulier la chute du mur de Berlin et l'idée d'un postmodernisme, qu'on serait alors arrivé dans une phase d'extinction de la modernité entendue précisément comme une phase au cours de laquelle les femmes et les hommes font l'histoire. La modernité peut être définie comme justement ce moment de l'histoire où il y a une prise de conscience que l'histoire se fait par les hommes, hein, au sens générique du terme, par l'humanité, et non pas par une instance transcendante, métaphysique, en somme par Dieu. L'histoire n'est pas faite par Dieu, elle est faite par les hommes. La modernité, c'est aussi l'histoire de ce vertige, de cette dimension très impressionnante de ce rapport à l'histoire. Voilà, l'histoire se fait par vous et moi, par nous en tant que nous en sommes des protagonistes. Or, Fukuyama, lui, il représente une pensée que l'on va nommer post-moderne, c'est-à-dire qui se définit comme après l'histoire active, et justement Fukuyama théorise bel et bien cette postmodernité en tant qu'elle est, comme on le dit aux États-Unis, un endism. Endism au sens où voilà, c'est la pensée de la fin, donc de l'extinction, pour reprendre le terme principal de ce marathon des sciences. On pourrait dire, d'une formule un peu provocatrice, que le fukuyamisme, bon, j'avoue que c'est moi qui propose ce néologisme, le fukuyamisme est un exorcisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, Fukuyama, il représente et il incarne une forme d'idéologie néolibérale dans ces années 1980 qui on voit le plein déploiement. Et ce que Fukuyama cherche à exorciser, ce sont toutes les formes d'insubordination, d'insurrection, d'insolence sociale, politique et culturelle qui avaient caractérisé les années 60 et 70, ces années qu'on a appelées aussi les années 68.
Fukuyama, ce n'est évidemment pas n'importe qui dans le paysage intellectuel des États-Unis au cours de ces années 80. Lui-même l'explique, hein, j'ai travaillé pour l'ancien vice-ministre de la Défense, Paul Wolfowitz, à deux reprises. Donc, il y a toute cette dimension d'alliance avec le pouvoir d'État, et notamment avec Bush, père et fils. Donc, Fukuyama l'explique, hein, il a travaillé au sein du State Department, il doit à Paul Wolfowitz d'avoir été recruté par la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, dont Wolfowitz était le doyen. Pourquoi je vous parle de cette situation sociologique de Fukuyama, c'est pour expliquer aussi la position politique et idéologique qu'il tient dans les États-Unis de ce tournant des années 80 et 90 qui va proclamer la fin de l'histoire. En fait, ce que souligne Fukuyama dans ce fameux essai, La fin de l'histoire et le dernier homme, c'est nous avons du mal à imaginer un monde qui soit radicalement meilleur que le nôtre, un avenir qui ne soit pas fondamentalement démocratique et capitaliste. Hein. Désormais, l'histoire peut être représentée à la manière de ces westerns aux États-Unis et dont les États-Unis, le cinéma hollywoodien, ont le secret et dont s'inspire Francis Fukuyama avec cette métaphore en fait, de cette colonne de chariots partie à la conquête de l'Ouest. Et finalement, la conquête de l'histoire, un peu à la manière de la conquête de l'Ouest, est achevée. Fukuyama nous dit que voilà, cette fameuse avant-garde de la colonne des chariots est arrivée au terme, l'histoire est terminée. Il nous dit, oh bien sûr, il y a encore quelques chariots qui traînent sur les chemins, dans les vallées, en quelque sorte. Pour lui, c'est la métaphore des peuples, des États-nations qui sont encore en retard dans ce processus de terminaison, d'extinction de l'histoire, mais eux-mêmes ne vont pas tarder à arriver à bon port, c'est-à-dire justement dans le triomphe de la société sans histoire, de la société néolibérale fondée sur l'idée de démocratie capitaliste. Ce que dit Fukuyama, c'est que voilà, cette histoire est terminée. Pourquoi? Parce que, d'une part, pour reprendre ses expressions, les gens peuvent s'approprier ce qu'ils veulent, et puis, bon, c'est la vision du salariat selon le capitalisme néolibéral, les travailleurs sont libres de vendre leur travail au plus offrant. Alors, ce qui est intéressant dans cette vision de l'extinction de l'histoire, c'est ce qu'on pourrait nommer la dialectique de cette pensée et plus précisément encore, le paradoxe des conséquences. Paradoxe des conséquences, pourquoi? Je vous ai fait figurer cette espèce d'échelle historique qui irait de Hegel à Fukuyama. Donc, vous reconnaissez Hegel, Marx et Fukuyama. Et pourquoi illustrer cette idée d'un paradoxe des conséquences par ces trois figures que je ne mets pas, je vous rassure, sur le même plan? C'est qu'au fond, Fukuyama, qui est un penseur à l'époque, un néolibéral extrêmement déterminé, il est fondamentalement anti-marxiste. Il essaye de faire écho à la formule du Time en 1977, « Marx is dead ».« Marx is dead », ça veut dire que, évidemment, si Marx est mort, ce qui est mort aussi, c'est toute pensée de l'alternative au fonctionnement du capital. Mais Fukuyama a cette subtilité ironique de nous dire, mais en fait, ma société où l'histoire est terminée, cette société néolibérale, c'est au fond la réalisation paradoxale de la vision de Marx, c'est-à-dire que voilà, on en est arrivé à la fin d'une histoire de la lutte de classe. Mais parce que le capitalisme a triomphé. Donc, on peut évidemment à l'inverse de ce qu'avait imaginé Marx. Pourquoi Hegel ici? Mais parce que Hegel, justement, il a proposé une philosophie de l'histoire qui irait dans le sens d'une fin de l'histoire. D'une fin de l'histoire, ce que disait Hegel, c'est qu'il faut que l'esprit se réalise. Et là, on arrivera à la fin de l'histoire. Hegel avait cette formule, l'esprit est réalisé. Pour lui, ce qui l'incarnait, c'était Napoléon
à Iéna en octobre 1806. Vous voyez ici représenté 30 ans plus tard par le peintre Horace Vernet. Hegel disait que voilà, l'histoire se termine quand l'esprit de l'histoire, en quelque sorte, est descendu, incarné par une sorte d'homme providentiel. Donc, finalement, la logique de Fukuyama, c'est précisément de une logique hegélienne, une logique presque dialectique, où les contradictions, la dialectique, c'est la pensée, la mise en forme des contradictions qui aboutissent à un dépassement de ces contradictions. Donc, désormais, l'histoire n'est plus contradictoire et elle s'éteint, elle connaît son extinction à partir du moment où on est arrivé à l'harmonie du capitalisme néolibéral. Donc, comme le disent les philosophes de l'histoire Jocelyn Benoît et Fabio Merlini dans un ouvrage intitulé « Après la fin de l'histoire », la fin dont il est question, ce n'est plus celle de l'histoire comme mouvement réel, ni comme nécessité historique de ce mouvement, mais celle de l'histoire comme paradigme de ce mouvement et de sa nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, ça signifie que Fukuyama ne croit pas que l'histoire s'arrêterait. On sait très bien que le processus historique, au sens d'une chronologie, au sens d'événements qui ont lieu, ne pourra, elle, s'arrêter. Mais ce qu'il voit comme éteint, hein, comme l'extinction de l'histoire, c'est l'idée du paradigme de l'histoire. Qu'est-ce à dire? C'est le fait que l'histoire puisse être un moteur de nos existences. À un moment, selon Fukuyama, l'histoire s'arrête parce que nous sommes arrivés à une stabilité du système social et économique. Alors, Fukuyama se dit, au fond, ce dernier homme, c'est-à-dire l'homme désormais du présent et du futur, l'homme néolibéral, quel pourrait-il bien être? Et donc il s'interroge, il se dit, oh là là, mais Nietzsche nous avait mis en garde sur le risque que ce dernier homme soit un homme qui n'aille pas dans le sens de la réalisation de l'esprit de l'histoire. Et dès lors, Fukuyama se fait rassurant. Il dit, mais en fait, non, tout va bien parce que ce dernier homme, il est animé par l'esprit du capitalisme et par, employant une notion venue de l'Antiquité classique, le timos. Le timos, c'est-à-dire la fierté, l'amour propre. Ce dernier homme de l'histoire éteinte, de l'histoire terminée, il est incarné finalement dans le système de Fukuyama par deux figures, l'entrepreneur capitaliste d'une part et le va-t-en-guerre, c'est-à-dire celui qui n'hésite pas à aller combattre pour que l'histoire se termine vraiment des États qui se situeraient encore dans l'arrière-train de l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle Fukuyama va pousser Bill Clinton à intervenir aussi en Irak. Hein. Fukuyama se montre un fervent partisan de l'intervention militaire dans le Golfe. Donc finalement, cette théorie de l'histoire, elle est aussi critiquée. Elle est critiquée par ceux, pourtant, qui appartiennent un peu au même monde que Fukuyama, qui y voient un trop grand optimisme. Et c'est le cas en particulier du théoricien essayiste Samuel Huntington, dont vous connaissez sans doute le fameux ouvrage sur le choc des civilisations, The Clash of Civilizations. En fait, ce que dit Huntington en reprochant son optimisme à Fukuyama, c'est qu'il a une vision téléologique de l'histoire. Le télos, c'est la fin. Hein. C'est la fin dans les deux sens du terme, c'est-à-dire la fin au sens d'une terminaison, d'une extinction, et puis aussi d'une finalité. Samuel Huntington ne pense pas que l'histoire soit téléologique, qu'elle ait un but final qui serait accompli avec le néolibéralisme. Non pas que Samuel Huntington ne soit pas lui-même néolibéral, il l'est fondamentalement, il pense comme Fukuyama qu'il faut assurer le triomphe des États-Unis en tant que porteur de l'espoir néolibéral à leurs yeux, mais il s'inquiète de l'optimisme de Fukuyama parce que pour Huntington, il faut continuer
à lutter en tant que civilisation contre d'autres civilisations, et elle-même, elle lutte de toute façon. Alors, la réception de Fukuyama en France, notamment dans les milieux historiens, dans certains milieux historiens, conforte la vision de l'histoire de certains penseurs, surtout à droite, hein, comme c'est le cas de l'éditorialiste du Figaro, Alain Gérard Slama, qui dit ben, grâce finalement à Fukuyama, c'en est fini, mais c'en est fini de plein de choses, c'en est fini notamment de cette histoire du long sanglot de l'homme blanc. Le sanglot de l'homme blanc, c'était un ouvrage, un essai signé par Pascal Bruckner en 1983, sous-titré, comme vous le voyez ici, « Tiers-monde, culpabilité, haine de soi ». Donc en fait, Pascal Bruckner disait « mais il faut que se termine cette idée que l'homme blanc doit se lamenter d'avoir colonisé le monde ». Donc finalement, Alain Gérard Slama voit une manière de réconfort aussi dans Fukuyama. Voilà, c'est la fin de l'histoire, le fait psychologique est accompli et on peut se réjouir d'avoir assumé la fierté d'un héritage colonial. Cette idée d'une fin de l'histoire est reprise par un historien important, évidemment, de la Révolution française, qui lui-même, après avoir été marxiste, devenu très anti-marxiste, c'est donc François Furet, qui avait été baptisé en 1989 le roi du bicentenaire. C'est lui qui avait organisé le bicentenaire de la Révolution française en grande partie et qui avait voulu signer justement là la fin de l'histoire, c'est-à-dire commémorer la Révolution française. C'était au fond l'embaumer, hein, la commémorer, c'est-à-dire la figer dans le passé. La Révolution est terminée, comme disait François Furet. Donc là aussi, l'extinction de l'idée de révolution. Et voilà ce que François Furet disait dans « Le passé d'une illusion » en 1995. « L'idée d'une autre société est devenue presque impossible à penser. Et d'ailleurs, personne n'avance sur le sujet dans le monde d'aujourd'hui. Même l'esquisse d'un concept neuf. Nous voici condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. » Donc, extinction de quoi? Extinction de tout espoir d'un monde différent. Extinction des alternatives. Nous sommes condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. Donc, si l'histoire est terminée, c'est aussi que les espoirs et l'histoire des espoirs le sont également. Ils sont terminés. Alors, en fait, évidemment, tout ça n'est pas absolument nouveau. Le président des États-Unis, à l'issue de la Première Guerre mondiale, avait lui aussi imaginé que ce serait là le triomphe universel de la démocratie libérale. Hein, c'était les propos de Wilson. Ou bien encore, Roosevelt, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait pensé que désormais, on vivrait une structure permanente de paix. Les historiens ont montré que finalement c'est une pensée assez structurelle, notamment dans les empires, hein, qui se veulent universels, comme c'est le cas dans une certaine mesure de l'empire des États-Unis au sens de son impérialisme aussi culturel et politique. L'historien Arnold Toynbee avait ainsi dit « Les citoyens d'un empire universel sont enclins à le considérer non pas comme une zone inhospitalière, mais comme la terre promise, le but vers lequel tendent les efforts des hommes. » Voilà, donc la fin de l'histoire, c'est cette terre promise, et pour Fukuyama, la terre promise, ce sont les États-Unis néolibéraux, le capitalisme triomphant. Alors évidemment, Fukuyama a reçu bien des critiques, et je citerai, pour terminer ce premier point, la critique frontale du philosophe Jacques Derrida, qui lui fait revenir, non pour l'éteindre, mais pour le ranimer, le spectre de Marx, hein, selon le titre de son ouvrage paru en 1993. Jacques Derrida caractérise l'essai de Fukuyama comme un gadget médiatique faisant fureur sur tous les supermarchés idéologiques d'un Occident angoissé. En fait, pour Derrida, Fukuyama est aveugle à ce qu'est la réalité
de l'histoire en cours, de cette histoire des années 80 et 90 qui reste marquée par les guerres, par les inégalités, par la pauvreté, par les mafias, par le trafic d'armes, par le chômage, par les crises économiques. Et donc pour Derrida, évidemment, cette vision irénique et idyllique de Fukuyama est une idéologie, évidemment. Et il va y avoir à cette époque, sous le fer et sous le feu de la critique adressée à Fukuyama, cette idée que la pensée de la fin de l'histoire, qui se veut aussi une pensée de la fin des idéologies, hein, puisque l'histoire s'éteint, il n'y a plus d'idéologie, eh bien c'est en soi une idéologie, bien évidemment. Alors, par contraste avec cette vision d'une histoire qui se terminerait, je voudrais citer finalement l'opposé de Fukuyama, l'historien états-unien Howard Zinn, qui lui-même propose de faire une histoire des espoirs. Et ce qu'il disait d'ailleurs à la fin de sa vie, cet auteur merveilleux de l'histoire populaire des États-Unis, c'est ceci: je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a donné aux gens des sentiments d'espoir et de pouvoir qu'ils n'avaient pas avant. Que veut faire Howard Zinn contre toute idée d'extinction de l'histoire? C'est justement proposer une histoire de la renaissance incessante de ses espoirs et de ses alternatives. La position d'Howard Zinn, elle est souvent résumée par cette formule devenue un peu célèbre: tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs. Ce que veut faire Howard Zinn, c'est une histoire par les anonymes de l'histoire, par celles et ceux dont on ne parle en général jamais dans les livres ou dans les manuels d'histoire, celles et ceux dont on ne cite jamais les noms lors des cours d'histoire de la maternelle à l'université. En fait, la proposition d'Howard Zinn, c'est de faire une histoire en quelque sorte alternative. C'est ça pour lui la renaissance de l'histoire, c'est de la faire ressurgir par celles et ceux dont on ne parle en général jamais. Par exemple, raconter l'histoire des guerres américaines, mais à partir du point de vue des ennemis des États-Unis. Et donc de regarder cette histoire à contre-champ, à contre-courant. Par exemple, les Mexicains, dont le pays fut envahi. Les Cubains, dont le territoire fut saisi en 1898. Les Philippins, qui subirent au début du XXe siècle une abominable guerre dévastatrice, au cours de laquelle 600 000 personnes périrent en s'opposant aux États-Unis. Cette renaissance, en fait, de l'histoire, à ses yeux, hein, aux yeux d'Howard Zinn, elle doit être marquée par un principe d'universalité et non pas par un principe national, voire nationaliste. Voilà ce qu'il y a à ce sujet. Je me demande ce que serait la politique étrangère des États-Unis si on effaçait, du moins dans nos esprits, toutes les frontières du monde pour considérer chaque enfant comme nôtre, où qu'il se trouve. Il serait alors impensable de larguer une bombe atomique sur Hiroshima, du napalm sur le Vietnam, sur l'Afghanistan ou sur l'Irak. Dès lors, Howard Zinn se dote de deux principes pour faire l'histoire de ces alternatives et pour les voir sans cesse renaître. D'une part, affûter notre perception de ce que subissent ceux qui, dans le monde, sont du côté des victimes. Donc, voir l'envers du décor de cette histoire jamais achevée. Et d'autre part, capturer ces quelques moments du passé qui démontrent la possibilité d'un mode de vie meilleur. Donc la renaissance d'alternatives toujours possibles. Alors je vous en donne quelques exemples, puisés à ce livre merveilleux, vraiment, décidément, d'Howard Zinn, l'histoire populaire des États-Unis. Cet exemple, notamment, que l'on peut puiser à cette magnifique histoire, c'est celle de Polly. Polly, c'est une femme qui, au milieu du XVIIIe siècle, dans une petite ville près de Boston, a décidé de vivre de manière émancipée. Elle a des enfants, mais elle n'est pas mariée. Et donc, pour ce motif, elle est traînée plusieurs fois dans des cours de justice, elle est condamnée à être fouettée en public, à être bastonnée, parce qu'elle déroge à la normativité des règles conjugales de l'époque.
Et voilà ce qu'elle dit hein, devant cette cour de justice du Connecticut. Je prendrai la liberté de dire que je pense que cette loi au nom de laquelle on me punit est déraisonnable en elle-même, en particulier sévère à mon encontre. Je n'arrive pas à concevoir la nature de mon crime. J'ai mis au monde 5 beaux enfants au péril de ma vie. Par mon seul travail, je les conserve en bonne santé, sans rien devoir à la municipalité. En outre, personne n'a la moindre raison de se plaindre de moi, sinon peut-être ces messieurs de la justice, parce que comme j'ai des enfants sans être mariée, ils ne peuvent pas toucher la taxe sur les mariages. Mais est-ce que c'est ma faute à moi? D'ailleurs, à mon humble avis, au lieu de m'administrer des coups de fouet, on devrait ériger un monument à ma mémoire. Donc ce que dit cette femme, qu'on pourrait dire presque anonyme, polie, qui laisse une trace grâce aux archives judiciaires et que l'histoire peut faire renaître, dont elle peut faire renaître la parole émancipatrice, c'est une opposition justement aux normes du temps, une émancipation. Et cette histoire des émancipations renaissantes, c'est ce que propose sans cesse Howard Zinn en mettant en évidence des figures en général ignorées ou oubliées, des figures de femmes qui devraient compter pour nous aujourd'hui parce qu'elles ont en leur temps, alors que c'était particulièrement difficile à contre-temps, défendu le droit des femmes, le droit pour les femmes à avoir une vie libre, à avoir un statut de citoyenne, à avoir aussi des droits notamment contre la violence faite aux femmes, des droits pour leur corps notamment. C'est le cas de Lucy Stone, c'est le cas de Frances Fanny Wright, donc autant de femmes rebelles de cette époque qui ne les toléraient pas comme telles. Et puis, je citerai volontiers comme justement celle qui porte la renaissance de ces espoirs émancipateurs au XIXe siècle, Sojourner Truth. Sojourner Truth, qui est une ancienne esclave affranchie, qui est donc à la fois une affranchie, une femme et une femme noire, et qui pense parmi l'une des premières l'intersection entre ces trois dimensions. Et il s'agit pour elle d'émanciper, de penser l'émancipation aussi bien des femmes que des noirs et que des anciens esclaves ou du nouveau prolétariat au XIXe siècle. Alors tout ça m'amène à évoquer une autre figure de ces renaissances d'espoir possible avec précisément ce qu'elle nomme les émergements possibles contre les formes d'extinction de l'espoir, à savoir Louise Michel. Et ce qui est intéressant chez Louise Michel pour le sujet dont traite de manière structurelle pendant 12 heures le marathon des sciences, c'est qu'il y a chez elle donc une sorte d'entremêlement de l'extinction et de la renaissance. Elle a une vision du monde, une sorte de philosophie politique de l'histoire qui imbrique justement ces deux dimensions, l'extinction et la renaissance. Elle voit en fait un peu comme une visionnaire, y compris dans ses romans hein, qui sont le plus souvent méconnus. On ignore en général les grands romans de Louise Michel, grands romans dans tous les sens du terme, parce que ce sont de vastes fresques qui mettent en scène les femmes et les hommes des milieux populaires et notamment du mouvement ouvrier de cette époque. Une vision donc d'un monde qui est en train de s'éteindre pour mieux faire renaître un monde nouveau et un monde fondé sur l'émancipation. Voilà ce qu'elle dit dans l'un de ses romans, Le Claque-Dent. Un monde croulait, un monde naissait. Hommes et feuilles mortes s'en allaient au gré du vent, tombant dans l'humus, où fermentent les germinales. Germinales, on va le voir, hein, c'est vraiment une métaphore qui revient très souvent sous la plume de Louise Michel. Le symbole même de la Renaissance, le symbole aussi, bien sûr, du calendrier révolutionnaire qui, pendant la Révolution française, avait voulu éteindre le vieux calendrier pour ouvrir sur un monde nouveau. Voilà ce qu'elle dit encore dans Le Claque-Dent. Ainsi, nous touchons à Germinal, à la fin de notre hiver séculaire. En fait, Louise Michel voit l'histoire comme une sorte de grand cycle des saisons, donc sans cesse renaissant. Et les hommes et les femmes doivent faire cette histoire, doivent mettre fin
a une histoire qu'elle juge être une histoire de l'exploitation, de l'oppression, de la domination. Cette métaphore de Germinal, évidemment, on la retrouve chez Émile Zola, mais notamment dans une lettre qu'il envoie à l'un de ses correspondants en octobre 1889. Il parle de Germinal, et comme il le définit, c'est l'avril révolutionnaire, une envolée de la société caduque dans le printemps. Vous voyez, là, on est dans cette imbrication de l'extinction et de la renaissance. La société est caduque, elle doit trouver sa fin pour faire naître cet avril révolutionnaire. Donc, cette métaphore de l'histoire comme un champ dont il s'agit sans cesse de renouveler les semailles et les moissons, on la retrouve dans un autre roman de Louise Michel, Le Monde Nouveau. Vous avez vu le laboureur retourner les sillons pour semer le blé nouveau. Ainsi seront retournées et enfouies, pareil au vieux chaume, les iniquités sociales. Le vieux monde qui doit s'éteindre, c'est le monde des iniquités sociales. Le monde des injustices. Et vous voyez, dans cette formule de Louise Michel, la débâcle est partout mêlée à l'éclosion. On a l'imbrication, les embrassades en quelque sorte, de l'extinction et de la renaissance. On pourrait citer d'autres propos de Louise Michel que vous voyez ici à la fin de sa vie, mais qui n'a jamais cessé justement de penser ce monde renaissant. Tous les flots humains battent les vieux récifs. C'est l'agonie mêlée à la naissance. Donc, en fait, pour elle, le monde qui vient, c'est un monde libéré des injustices. Ces romans, d'ailleurs, sont décrits par la presse de l'époque, hein, comme vous le voyez ici, comme des drames. Un drame sombre et violent, tracé à la manière de Rembrandt, avec un jet lumineux au milieu des ténèbres. L'extinction d'un monde et la renaissance par une brèche, par une lueur. Lueur que Louise Michel appellera la République sociale du monde. C'est cela à quoi elle aspire, notamment au cœur de la Commune de Paris, dont elle dit « On voulait tout à la fois, art, science, littérature, découverte, la vie flamboyait, on avait hâte de s'échapper du vieux monde. S'échapper du vieux monde, voilà, le monde de ces injustices est en extinction. On pourrait multiplier les exemples comme chez Jules Vallès, quand il décrit justement le murmure de cette révolution, la Commune de Paris en 1871, qui passe, dit-il, tranquille et belle, comme une rivière bleue. Et donc, en fait, chez Louise Michel, comme chez la plupart des communeuses et des communeux, il y a l'idée d'un printemps, il y a l'idée d'une sève humaine qui monte, d'un germinal nouveau, d'une aube qui se lève. Alors, pour terminer sur une période contemporaine désormais, et qui nous fait toucher du doigt justement la présence de ces passés récalcitrants, je voudrais évoquer les mouvements importants que nous avons connus, notamment en France, au travers du soulèvement populaire des Gilets jaunes, d'une part, et d'autre part, du mouvement social que nous avons connu à l'hiver de cette année contre la réforme dite des retraites. Le mouvement des Gilets jaunes, finalement, il s'inspire de cette idée que alors, un monde nouveau est possible et que la chose politique doit être très largement partagée. Comme on le voit sur ce gilet jaune, et je vais m'appuyer sur ces gilets pour terminer cette présentation, nous sommes tous des femmes et des hommes politiques. C'est-à-dire que le monde renaissant doit passer par une nouvelle forme de démocratie, une appropriation de la démocratie par tout un chacun, toute une chacune, puisque les femmes sont très présentes dans ce mouvement des Gilets jaunes. Je sais que ce mouvement, bien sûr, a été très contesté, disqualifié, dénigré, et j'espère que vous ne verrez pas à Florence comme une provocation de ma part de le mentionner, de l'évoquer pour terminer cette conférence. Parce que pour moi, c'est vraiment un moment historique, et ce qui est intéressant, c'est ce que je voudrais montrer dans les quelques minutes qui me restent, c'est que ce mouvement, il s'inspire lui-même de l'histoire. Lui aussi, un peu à la manière de Louise Michel, qui lui arrive de citer d'ailleurs, il voit pour partie ce balancement entre l'extinction d'un monde
auquel il s'agit de mettre fin, un monde de chaînes, un monde d'exploitation, et puis la renaissance d'un monde différent. Et en fait, très clairement, il y a une inspiration puisée là dans l'histoire. Cela vient bel et bien démentir l'idée que l'histoire serait terminée, selon Francis Fukuyama, et ceci pour boucler la boucle. Il y a vraiment cette idée que l'histoire est vivante, qu'il faut s'appuyer sur elle comme sur une référence active, qu'il faut mobiliser et actualiser l'histoire. La fin de l'histoire n'est jamais véritablement possible. Et de ce point de vue, on ne vit pas un présentisme, comme l'a pourtant théorisé François Hartog, hein, qui a forgé ce mot de présentisme, comme si on était vraiment enfermé dans le présent, qu'on n'avait plus de rapport à l'histoire et qu'on avait dès lors plus de vision d'avenir. Il me semble qu'un certain nombre de mouvements sociaux, comme le soulèvement des Gilets jaunes, nous montrent le contraire, que la puissance de l'histoire est toujours très active. On le voit sur les Gilets, la référence à la Révolution française. Il est temps de finir 1789. Donc finir ici, c'est pour mieux recommencer une ère où justement la Révolution ne serait pas terminée, à l'inverse de ce que disait François Furet, comme on l'a vu tout à l'heure. Sur certains Gilets jaunes, on peut lire que l'histoire a une puissance. Vous voyez ici, nous sommes des hommes et des femmes qui avons décidé ensemble de ne plus vivre à genoux et de refuser d'être instrumentalisés ou marchandisés. L'histoire et nos enfants nous jugeront. Nous voulons vivre dignement. L'histoire et nos enfants, le passé et l'avenir. L'avenir aussi en tant que l'histoire est un principe régulateur, peut-être d'un jugement. Et en fait, ce mouvement des Gilets jaunes, il a été largement partagé. Comme montre ce prêtre dans le diocèse de Nice, portant gilet jaune et se baptisant lui-même curé enragé, enragé selon évidemment la référence à l'histoire de la Révolution française et le groupe des enragés. Un peu comme on le voyait chez Louise Michel, pour un certain nombre de gilets jaunes, la renaissance d'un monde, c'est aussi un monde où l'art serait largement partagé. L'art pour les gens. Vous vous souvenez de ce que disait Louise Michel sur l'idée que, voilà, il faut que nous voulions tout, hein, l'art, la science, la culture, le savoir largement partagé. Comme le dit cette femme au cours d'une manifestation de Gilets jaunes, je suis pour l'augmentation du goût de la vie et pas du coût de la vie, bien évidemment. L'histoire active, qui n'a pas de fin, on la voit sur les murs, comme sur cette fresque à Paris, rue d'Aubervilliers, en janvier 2019. On la voit lorsque les Gilets jaunes vont rendre hommage à Gustave Courbet, le grand peintre qui a été un protagoniste actif de la Commune de Paris, comme vous le voyez sur cette photographie prise à Ornans en mai 2019 pour célébrer aussi la Commune de Paris et pour faire face aussi aux souvenirs de la semaine sanglante en mars 1871 qui a vu la répression de la Commune. Vive la Commune, nous disent certaines et certains gilets jaunes, signe encore une fois qu'il s'agit de naviguer entre les époques et que le présent doit à l'histoire une certaine forme de ses espoirs d'avenir. On le voit encore ici sur ces gilets jaunes, on trouve toujours l'argent pour faire la guerre, jamais pour vivre en paix. 1871, 1936, 1968, donc une manière de citer comme ça l'histoire en tant qu'elle est un principe aussi de renouveau et pas seulement une extinction d'un passé mort. J'ai eu l'occasion de rencontrer bien des gilets jaunes et cette photographie que j'ai prise en mars 2019, place de la République à Paris, vous montre Belaïd, un gilet jaune que j'ai croisé, un Algérien, au moment justement où la révolution en Algérie, le Hirak, battait son plein et où sur son gilet, il avait noté les grandes dates à ses yeux importantes de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Donc une manière de porter, d'incarner cette histoire toujours en train de se faire. Ce que disent un certain nombre de gilets jaunes, c'est qu'il y a un refus de la résignation. Donc on en revient à notre point de départ, en fait. La fin de l'histoire, l'idéologie de la fin de l'histoire, c'est aussi une invitation à la résignation. L'histoire est terminée, nous n'avons plus à lutter, nous n'avons plus à combattre. Ce que disent les gilets jaunes, c'est l'inverse. Hein. Nos luttes ont construit nos droits, nos résignations les détruiront, comme on le voit ici.
Et puisqu'on fait cette histoire des espoirs, eh bien, on peut souligner que par exemple, de gilets jaunes ont mis en avant ce terme. On le voit sur cette photographie prise à Porto Vecchio en Corse en janvier 2019. Alors pour terminer, je voudrais montrer les échos aussi qui se dessinent entre ce mouvement des gilets jaunes et puis l'un de ces mouvements sociaux avec grève, manifestation que nous avons connu tout récemment, donc à l'hiver 2019-2020, qui lui aussi fait référence à un certain esprit contestataire, un esprit rebelle, plein d'humour et d'ironie, en fait, sur le monde. Hein, comme on le voit sur ce gilet jaune, dans quel monde vit-on ? Les artistes se sont mobilisés pendant ce mouvement de décembre, à partir de décembre 2019. Pas de quartier, nous ont dit des artistes en grève. Le profit troll, comme on l'a répété en essayant de s'appuyer sur un certain humour, puisé d'ailleurs à l'héritage, dans une certaine mesure, de 1968. La Révolution française et son héritage a été aussi beaucoup mobilisé. Vous le voyez ici, une photographie prise le 7 janvier 2020 par le magnifique photographe Serge D'Ignazio, sur lequel je m'appuie, sur le travail duquel je m'appuie pour vous présenter ces photographies, Serge D'Ignazio. L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. La commune revient en force, la commune renaissante en quelque sorte, contre l'extinction de l'histoire. Ah bah, Jupitière, vive Louise Michel! Moins de Jean-Michel, sous-entendu Jean-Michel Blanquer, plus de Louise Michel. Plutôt Blanqui que Blanquer, plutôt Black Bloc que Black Rock. La Première Guerre mondiale n'est pas oubliée, on ne sonnera pas la retraite, nous dit cet homme qui a revêtu le casque du poilu. La résistance et la libération ne le sont pas non plus, oubliés. On veut des vieux jours heureux, selon l'intitulé du programme du Conseil national de la résistance, des jours heureux. Et puis, il y a tout un esprit, finalement, de 68 qui revient en force, hein, comme quoi l'histoire, encore une fois, elle est sans cesse activée dans ces mouvements. La beauté est dans la rue, et ceci posé sur une publicité pour des cosmétiques et des parfums, pour nous indiquer qu'il faut se déplacer par rapport au monde marchand, au monde de la marchandise et de la consommation. Et je voudrais terminer avec ces quelques banderoles qui, partant du passé, ouvrent sur l'avenir et finalement font renaître un avenir contre l'idée du présentisme, contre l'idée d'un enfermement dans la catégorie du présent qui aurait oublié tout à la fois l'histoire et le futur. Génération unie pour changer l'avenir. Depuis la grève, on voit l'horizon. Et enfin, cette dernière pancarte, dites à l'avenir que nous arrivons. Merci beaucoup de votre attention. Bienvenue dans le Gers, notre Toscane française. Au cœur de la Gascogne et du Sud-Ouest, un condensé d'aventures. Suivez-moi.
C'est un patrimoine d'exception sur les chemins de Saint-Jacques. Le paradis des épicuriens, le goût vrai de nos produits. Une nature préservée pour des plaisirs en toute saison. Un retour aux sources, une parenthèse de douceur bienfaisante. Alors n'hésitez plus, le Gers vous attend. Adi Schatz.
Alors, nous sommes cette année dans ce festival évidemment un peu marqué par les aspects sociaux, les aspects économiques, les aspects politiques, et sans doute cela vient un petit peu de cette crise sanitaire qui a eu, entre autres, le mérite de mettre en lumière un certain nombre de choses. Je ne dis pas qu'on en tirera nécessairement les conséquences, mais de mettre au moins en lumière la fragilité du système à la fois économique, politique, social, dans lequel nous vivons, et l'extrême facilité avec laquelle ce système peut s'effondrer. Et c'était justement en fait le thème de ce marathon, extinction, renaissance. Alors, renaissance, est-ce qu'il y en a ? Oui, certainement, bien sûr, il faut être optimiste et il faut l'espérer. Quelles sont les solutions ? Les Gilets jaunes en ont peut-être proposé, c'est ce que disait Ludivine tout à l'heure. Mais nous avons invité une autre personne aujourd'hui à s'exprimer sur ce sujet. C'est Thomas Coutreau. Thomas Coutreau, c'est un économiste. Il est, entre autres, cofondateur du mouvement des économistes atterrés. Il a été aussi porte-parole d'Attac, donc il est évidemment un petit peu marqué, ça c'est sûr. Mais il travaille aussi, d'ailleurs, au ministère du Travail. Mais il a des choses extrêmement intéressantes à dire sur le sujet, sur ce que pourrait être l'avenir, sur comment est-ce qu'on pourrait envisager l'économie, le social, dans une société de l'après-crise, en supposant qu'effectivement cette crise du coronavirus soit une première alerte et que malheureusement elle soit suivie par d'autres, parce que c'est vrai qu'on est dans un système qui est basé sur la croissance, sur le dogme, le principe de la croissance. Et comme le disait Roland Lehoucq il n'y a pas très longtemps, comme il le dit d'ailleurs régulièrement dans ses conférences, peut-on imaginer une croissance infinie dans un monde fini ? Évidemment, la réponse est dans la question. Et malheureusement, c'est ce qu'on est en train de faire, et peut-être qu'on est en train d'essayer de refaire à la suite de cette crise. Donc Thomas Coutreau propose et imagine d'autres solutions, et on a trouvé que c'était intéressant de vous proposer de l'écouter. Voilà, je lui cède aussi la parole. Il y a un an, à l'été 2019, la Sibérie et l'Amazonie brûlaient, littéralement. En janvier 2020, c'était l'Australie. En quelques jours, 10 millions d'hectares et plus d'un milliard d'animaux étaient partis en fumée. Alors que nous sommes loin d'être sortis de la pandémie de Covid-19, la question n'est pas de savoir quand de nouvelles catastrophes se produiront, puisqu'elles sont déjà là, mais sous quelle forme elles affecteront nos vies. Canicules dévastatrices, disettes régionales ou mondiales, nuées radioactives, effondrement d'Internet et des réseaux d'énergie, incendies de forêts catastrophiques ou nouvelles pandémies encore plus ravageuses. L'espoir, c'est que rien n'est écrit d'avance. La crise sanitaire le montre. La vie peut l'emporter, au moins provisoirement, sur la logique d'une économie tournée tout entière vers la rentabilité financière. Emmanuel Macron, Xi Jinping, Boris Johnson, Donald Trump lui-même ont dû décider, à contre-courant de leur politique, de suspendre les transports aériens, le commerce mondial, d'arrêter l'économie, de trouver des milliards de dollars ou d'euros, des milliers de milliards pour limiter les dégâts sociaux. Dans les affaires humaines et collectives, quand on veut, on peut. Cette leçon, il ne faudra pas l'oublier. Mais face à l'enjeu du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, ce dont il nous faut guérir, ce n'est pas seulement de la folie, comme disait Emmanuel Macron, de la mondialisation du commerce et des investissements, c'est plus profondément guérir de la folie du tout marché qui détruit la terre, le travail et la vie. Nous sommes dans un système de tout marchandise où les citoyennes et citoyens supposément libres sont en fait contraints de déléguer à d'autres, les propriétaires des capitaux, l'organisation et les finalités de leur travail,
et de leur existence. C'est cette folie du capitalisme qui cherche à échapper à tout contrôle, qui désagrège la société et dévaste les écosystèmes. C'est cette folie du productivisme qui a subordonné le vivant à l'accroissement de la production. C'est tout cela que la crise pandémique met en évidence. Alors, pendant la pandémie, le confinement a fait chuter très provisoirement les émissions de CO2, les pollutions et les nuisances en tout genre. La planète, les vivants se sont mis à mieux respirer, mais c'est déjà fini. Les émissions sont reparties à la hausse. Et de toute façon, la débâcle économique n'est pas un remède durable au changement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Et la relance aveugle qui est en cours est en train déjà de rattraper les émissions évitées pendant le confinement. Alors, ce confinement a exacerbé les inégalités entre celles, majoritairement des femmes, qui doivent tenir les professions essentielles à la vie et ceux qui peuvent télétravailler, entre celles qui sont surchargées par les tâches ménagères, le suivi des enfants confinés et ceux qui peuvent vaquer à leurs occupations en télétravail, entre les habitants des centres-villes et des banlieues chics et ceux des quartiers populaires quadrillés par la police, entre les salariés encore couverts par des mécanismes de protection sociale et les précaires laissés largement à l'abandon, entre ceux qui maîtrisent les outils numériques et ceux qui sont laissés pour compte, entre la métropole et l'outre-mer, entre les nords et les suds. En même temps, dans les campagnes, dans les quartiers, sur tous les territoires, on a vu émerger, ancré dans des réseaux associatifs et de sociabilité, d'innombrables initiatives de solidarité et d'entraide qui préfigurent une possible société, des mondes possibles. Alors, la pandémie est-elle une vengeance de la nature ? Une controverse s'est développée sur ce sujet. S'agit-il d'un message, voire une vengeance de la nature menacée, ou bien un simple virus sans aucune signification ? Alors, sans prêter évidemment à la nature des intentions qu'elle n'a pas, il est important d'interpréter la pandémie comme un signe, une sirène d'alarme destinée aux habitants de la Terre pour les alerter sur la fin d'un monde. Ce soi-disant nouveau monde qui en fait pille et détruit les écosystèmes pour entretenir une croissance illimitée de la production, de la consommation et des profits. Les autorités ont été prises au dépourvu par cette pandémie, et pourtant, elle ne vient pas de nulle part. Les épidémiologistes, les historiens des sciences observent depuis une quarantaine d'années des pandémies de plus en plus fréquentes. Leurs origines, la rapidité de leur diffusion et la gravité de leurs conséquences sont étroitement liées à la mondialisation néolibérale et extractiviste. Donc la flambée des zoonoses, hein, ces maladies transmises par des animaux sauvages à l'homme, que ce soit le VIH, la grippe aviaire, le SARS, la grippe porcine, Ebola, etc., et maintenant le Covid-19, cette flambée vient de causes humaines. Les virus nous contaminent du fait de la déforestation, de l'urbanisation galopante, de l'exploitation sans limite des ressources naturelles, de la commercialisation incontrôlée d'animaux sauvages, jusque-là isolés. La transmission du virus est ensuite accélérée par les densités urbaines et la pollution, par les flux internationaux de touristes et de cadres supérieurs. Wuhan, l'une des capitales mondiales de l'industrie automobile, où s'est déclenchée la pandémie, est fortement connectée à la Lombardie, cœur de l'industrie italienne, et premier foyer européen de l'épidémie. Les conséquences de l'épidémie sont aggravées par le délabrement des systèmes publics de santé et la soumission de la recherche scientifique aux intérêts commerciaux de court terme. Le principe de réduction des coûts a remplacé le principe de précaution et a conduit à la disparition des stocks de masques et de tests. Cela a rendu la plupart des États occidentaux impuissants au début de la pandémie et contraints à décréter un confinement généralisé, nécessaire mais aux effets économiques
absolument désastreux. Alors cette mondialisation, aujourd'hui, elle est à bout de souffle. Elle a interconnecté, mis en concurrence et fragilisé les systèmes productifs et les systèmes sociaux. Avec cette circulation effrénée des capitaux et des marchandises, ainsi que de ces catégories, de ces cadres, ces managers affairés, avec ce découpage façon puzzle de la production en chaîne internationale de sous-traitance labyrinthique et incompréhensible, la pénurie, par exemple, de tests a révélé, au prix de dizaines de milliers de morts, que 80% des principes actifs de médicaments aujourd'hui sont produits en Chine et en Inde et ne sont plus disponibles en cas d'interruption du commerce mondial. Cette mondialisation, elle organise un quadruple dumping, un dumping social avec les pays à salaires misérables et à syndicats muselés, un dumping écologique avec la délocalisation des industries polluantes dans les pays du Sud, notamment la Chine et l'Inde, et l'extractivisme, le pillage des ressources naturelles par beaucoup de ces pays, un dumping fiscal avec aujourd'hui, par exemple, 2500 filiales, rien que pour les entreprises du CAC 40, hein, nos fleurons nationaux, 2500 filiales dans des paradis fiscaux. Et puis un dumping démocratique. Les gouvernements sont soumis aux exigences des marchés financiers qui financent leurs dettes et signent volontiers des traités de commerce bilatéraux, des traités de libre-échange, qui interdisent toute entrave à la concurrence, même pour relocaliser ou donner la priorité à l'écologie. Alors après cette pandémie, on risque d'assister à une fuite en avant dangereuse, avec des conséquences d'ailleurs majeures peut-être pour les astronomes et les amoureux des étoiles. Le temps de l'accélération risque d'accélérer encore. L'illusion de la science toute puissante entretient le mythe de la croissance verte, de la destruction créatrice ou de la disruption technologique. Et on nous explique déjà que la science va nous offrir, dans les années qui viennent, l'énergie gratuite, la voiture autonome à hydrogène, les avions propres, les boucliers solaires et la géo-ingénierie pour nous protéger des rayons du soleil, la nourriture de synthèse. Face à la pandémie, les drones de la police surveillent déjà le respect des règles de confinement. Les applications tracent les déplacements et les contacts. Bientôt, l'intelligence artificielle, la télémédecine et les robots voudront remplacer médecins et infirmières, trop chers. La menace épidémique justifiera l'accélération de l'automatisation des services, la généralisation du télétravail sous contrôle numérique en temps réel. Cette fuite en avant technologique qu'on nous annonce déjà nécessite de toute urgence la 5G, 10 fois plus rapide que la 4G, et puis la 6G déjà en gestation et dont on nous promet qu'elle sera 8000 fois plus rapide que la 4G, mais aussi évidemment beaucoup plus énergivore, mais nécessaire pour ouvrir la voie aux interfaces cerveau-ordinateur, aux bâtiments connectés, à l'Internet des objets, etc. Alors pour ça, il faut lancer des dizaines de milliers de satellites en orbite autour de la Terre, comme le prévoit Tesla, mon patron est Elon Musk, ou Amazon, Jeff Bezos, avec leurs projets qui sont déjà en cours de déploiement, leurs projets Starlink et Kuiper, qui vont non seulement émettre des quantités absurdes de CO2, des milliers de fusées nécessaires, mais rendront l'observation du ciel et des étoiles définitivement impossible, que ce soit pour les astronomes professionnels et amateurs ou pour les enfants amoureux des étoiles. Pourtant, rien n'est encore joué. Le pire n'est pas certain. Avant la pandémie, le monde fourmillait déjà de milliers d'initiatives solidaires. L'exemple du film Demain, on a retracé un
certain nombre. Et de puissantes mobilisations populaires avaient lieu du Chili au Liban, en passant par la France, les Gilets jaunes, Hong Kong, l'Algérie, le Soudan. Après la pandémie, de nouvelles vagues de lutte ont déjà commencé, on l'a vu, et de nouvelles expérimentations d'alternatives écologiques et solidaires vont se déployer. Au nom du plus jamais ça, de nouvelles alliances, par exemple en France, entre les syndicats CGT, Solidaire, Confédération Paysanne et des associations comme Greenpeace ou ATTAC, les Amis de la Terre ou Oxfam, se constituent pour des coalitions larges, se constituent de la société civile pour faire face aux dangers et promouvoir les alternatives. Ces mouvements sociaux promeuvent des alternatives, des propositions cohérentes, justes et soutenables et finançables, dont je vais évoquer quelques-unes dans la suite de cette conférence. Il leur manque aujourd'hui le rapport de force politique pour devenir réalité. Et pour cela, deux choses sont décisives. D'une part, que cette coalition des mouvements s'approfondisse et s'élargisse pour sortir des précarés de chacun. Et puis aussi qu'émerge un imaginaire commun d'une société meilleure, durable et solidaire, une représentation commune des moyens de sortir de l'impasse productiviste et capitaliste dans laquelle nous nous sommes fourvoyés. Cet imaginaire, c'est celui du soin contre le care, hein, contre l'engrenage production-consommation. C'est l'imaginaire du commun contre celui de la concurrence. C'est l'imaginaire de la démocratie contre celui des inégalités et des hiérarchies soi-disant naturelles. Alors, pour commencer, parler rapidement de la question des politiques sociales. Les politiques sociales, le prendre soin, tel est, de mon point de vue, l'axe majeur. Il faut que nous commencions à investir fortement dans ce qui renforcera notre résistance collective aux chocs sociaux, écologiques et sanitaires. Il faut pour cela rénover profondément nos services publics et notre protection sociale pour ériger en bien commun les sécurités fondamentales que sont la nourriture, le logement, l'éducation, la santé et l'environnement. Alors prendre soin des plus pauvres, pour commencer, des plus fragiles. Hein. On a absolument besoin d'un revenu minimum garanti de bon niveau. Par exemple, en France, ça signifie l'augmentation du RSA à 900 euros, comme le réclament les associations. Son élargissement aux jeunes de moins de 25 ans. Il y a une urgence absolue. Prendre soin aussi des travailleurs chômeurs et précaires, avec une indemnisation du chômage qui soit un véritable soutien à l'accès à un emploi décent et non pas un système de pression pour traverser la rue, entre guillemets, et accéder à n'importe quel emploi précaire et dévalorisé. Le régime des artistes et techniciens du spectacle, d'ailleurs, est l'ébauche d'un régime qui pourrait sécuriser l'activité discontinue. Prendre soin, c'est aussi élargir les expérimentations, comme celle, par exemple, du territoire zéro chômeur de longue durée, inspiré par ATD Carmonde, qui a été lancé en 2017 dans 10 territoires, en mobilisant les acteurs locaux, les personnes privées d'emploi, les entreprises, les associations, les collectivités locales. Déjà, les emplois créés, les milliers d'emplois créés, portent sur les enjeux environnementaux, comme le maraîchage de proximité, le recyclage des déchets, ou bien des enjeux sociaux, l'aide à la personne, les épiceries solidaires. Et on pourrait ainsi créer 1 million d'emplois à coût réduit à cause des économies faites sur les allocations chômage. Prendre soin, c'est aussi se donner du temps pour vivre. Réduire le temps de travail, c'est aujourd'hui fondamental, alors qu'une envolée du chômage s'annonce, que la croissance ne peut et ne doit pas revenir. Réduire
Le temps de travail, c'est fondamental pour libérer du temps, pour créer des emplois, mais aussi pour pouvoir s'investir dans des activités associatives, politiques, culturelles, et pour une répartition plus égalitaire des tâches domestiques entre hommes et femmes. Prendre soin, c'est aussi prendre soin du logement, la rénovation urbaine, l'isolation thermique, la mixité sociale, avec une participation réelle et organisée des habitants. Après des décennies de New Public Management, fondé sur l'idéologie d'une fonction publique inefficace et improductive par nature, il est temps de refonder les services publics en prenant les moyens d'une réelle participation des agents et des usagers, avec une attention particulière aux personnes en grande précarité et victimes de discrimination. Alors, prendre soin de l'hôpital, après l'ahurissante faillite du système de santé publique au début de la pandémie de coronavirus, il est urgent de réaliser les embauches et les formations réclamées à corps et à cri par les professionnels de santé depuis des années. Mais aussi de réorganiser fondamentalement le travail de soins qui est soumis depuis 15 ans au délire bureaucratique et gestionnaire de la tarification à l'activité, la fameuse T2A, et à la volonté politique de transformer les hôpitaux en entreprises soumises à une logique de concurrence. Les équipes médicales ont montré leur virtuosité pendant la crise sanitaire. Elles doivent pouvoir désormais auto-organiser leur activité avec pour priorité la qualité des soins et des relations avec les patients et leurs familles dans le cadre d'une démocratie sanitaire vraiment effective. L'école aussi a vu un accroissement des inégalités entre les élèves liées aux conditions de logement, de connexion, de capital social et culturel. Et là aussi, il est temps d'arrêter la spirale des réformes imposées contre-productives et d'instaurer la liberté pédagogique comme une pratique des collectifs de travail attentive à chaque élève. Donc de favoriser l'essor des pédagogies alternatives, non autoritaires, de lutter contre les discriminations de toutes sortes, de renforcer l'éducation à l'égalité entre les sexes dès le premier âge, plutôt que de se focaliser sur les apprentissages disciplinaires et la compétition scolaire, l'école doit stimuler l'intelligence critique et l'esprit de coopération des élèves et aussi leur attention à l'urgence écologique. Prendre soin de la recherche, c'est l'extraire de la course au financement privé et aux brevets pour orienter ses priorités en fonction des besoins sociaux, des impératifs écologiques portés par la société civile. Prendre soin, c'est aussi prendre soin des premiers de corvée, c'est-à-dire revaloriser le SMIC et les salaires des métiers du care, aussi méprisés et mal payés qu'indispensables à la vie. On l'a vu, les métiers d'éboueurs, de caissières, d'aides-soignantes, d'aides de vie, d'auxiliaires à domicile, tous ces métiers qui ont aujourd'hui des salaires misérables doivent être revalorisés et correctement considérés et rémunérés. Il va falloir aussi, à plus long terme et de façon plus profonde, engager un vrai débat sur l'utilité sociale de ce que nous produisons. Alors, au début de la pandémie, un débat très important a eu lieu sur l'utilité sociale du travail. Les salariés, appelés par l'État ou les entreprises à reprendre le travail malgré le confinement, ont souvent eu conscience de risquer leur vie alors que leur activité n'était pas vraiment essentielle. Il y a eu des droits de retrait, on a parlé beaucoup du travail des invisibles, des risques pris par les premiers de corvée. Le sens du travail a été au cœur des discussions pendant le début du confinement. Malgré la demande des syndicats, le gouvernement a d'ailleurs refusé de discuter d'une liste des activités dites essentielles pendant l'épidémie. Et c'est pourtant vraiment d'un débat sur l'utilité sociale du travail et les besoins essentiels dont nous avons besoin, non pas seulement pendant la pandémie, mais plus fondamentalement pour respecter l'accord de Paris sur le climat. Les objectifs de ces accords imposent de réduire fortement notre empreinte écologique, dont
donc notre consommation matérielle. Cela impose donc une délibération collective sur nos besoins, comme le propose par exemple le sociologue Bruno Latour. Déjà, l'Observatoire national de la pauvreté a expérimenté des procédures de délibération collective pour établir des budgets de référence permettant à chacun de satisfaire les besoins essentiels et d'accéder à un statut de citoyen, de citoyenne à part entière. Cette délibération doit être engagée à une échelle beaucoup plus large. Et elle doit déboucher, elle pourrait déboucher notamment sur le rationnement de certaines consommations trop nocives, comme le transport aérien, le tourisme de masse, l'élevage bovin ou la pêche. Redéfinir les besoins, ça exige de faire décroître l'industrie publicitaire. Par exemple, en demandant aux fournisseurs d'accès sur Internet de bloquer par défaut la publicité, les internautes devraient alors la demander, ou de limiter le volume de publicité en espace public, ou de garantir un financement public non publicitaire pour les médias indépendants, comme l'a proposé la Convention citoyenne pour le climat, parmi d'autres propositions fort intéressantes. Dans l'immédiat, il faut conditionner les aides publiques et même la possibilité de verser des dividendes aux actionnaires à la reconversion écologique des activités des grandes entreprises. Elles doivent aligner leur plan stratégique sur les objectifs de décroissance des émissions pour espérer limiter le réchauffement à 2 degrés à la fin du siècle. À plus long terme, c'est la reconversion et relocalisation du système productif qu'il faut organiser. Alors, certains secteurs à l'empreinte écologique excessive doivent décroître et leurs entreprises se reconvertir. C'est le cas de l'automobile, de l'aéronautique, du béton, de l'industrie chimique. D'autres productions doivent croître, les équipements d'énergie renouvelable, les équipements médicaux, les moyens de transport collectif, l'agriculture paysanne. Pour organiser cette croissance et cette décroissance des activités utiles ou inutiles, le marché est trop myope. Nous avons besoin d'inventer un nouveau processus démocratique de planification écologique. Alors à quoi ça pourrait ressembler? Il ne s'agit pas évidemment d'un gosse plan. Il s'agit de commencer par des débats décentralisés dans les territoires autour des besoins et des priorités. On pourrait aussi organiser des conférences citoyennes régionales pour alimenter la réflexion. Sur la base de ces débats et sous le contrôle très important d'une conférence citoyenne nationale, c'est-à-dire une sorte de Sénat citoyen tiré au sort, les élus, le Parlement, seraient amenés à fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs d'investissement dans les différents secteurs stratégiques ou de désinvestissement des secteurs nocifs. Se tiendraient ensuite des négociations régionales et de branches avec les directions d'entreprise, les syndicats et les associations environnementales pour décliner ces grands objectifs au plus près des unités productives et des territoires, en prenant en compte les équilibres écologiques et sociaux. Et puis, le financement serait assuré par des banques publiques d'investissement appuyées par la Banque Centrale Européenne, qui fournirait les crédits nécessaires. Alors, avec cette planification écologique, le rôle de l'État n'est pas de tout décider centralement, mais d'impulser un vaste débat démocratique impliquant toute la société, d'en déduire les priorités générales et les ressources adéquates, et puis d'encourager, de soutenir concrètement les projets de relocalisation et de reconversion et de démocratisation des décisions sur les territoires. Donc la vision étatiste et centralisée du changement social doit céder la place à une articulation souple entre différents niveaux d'émancipation, les niveaux supérieurs n'intervenant que pour les sujets qui ne peuvent être efficacement traités au plan local ou régional. Mais peut-on espérer modifier durablement la trajectoire de notre économie et donc celle des grands groupes qui aujourd'hui la dominent sans contester le pouvoir de décision que
monopolise aujourd'hui les actionnaires. Ou bien est-ce qu'on peut imaginer qu'on va réorienter en nationalisant et en confiant le pouvoir à la technostructure et au grand corps de l'État? Clairement, non. Le gouvernement censitaire ou technocratique de l'économie est dépassé. Pour prendre en compte les enjeux sociaux et écologiques de court et de long terme, il faut ouvrir l'entreprise à la démocratie. Alors, un premier pas pourrait être la codétermination entre capital et travail, 50-50, ou bien la coexistence à parité d'une chambre du capital et d'une chambre du travail qui serait amenée à se mettre d'accord sur les orientations stratégiques. Mais cela ne suffirait pas. Comment faire entrer la nature, les exigences du long terme dans la gouvernance du système productif et des grands groupes? Pour cela, il faut envisager la transformation des grandes entreprises en des biens communs. Des communs gérés de façon soutenable en s'inspirant des principes d'organisation des communs dégagés historiquement, de l'expérience historique, hein, observée notamment par Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009, et qui s'incarne par exemple, ces principes s'incarnent par exemple dans le modèle de la société coopérative d'intérêt collectif. C'est un modèle juridique extrêmement fécond qui permet que les choix stratégiques, dans la cycle société coopérative d'intérêt collectif, les choix stratégiques résultent d'une délibération approfondie entre les salariés, les collèges présents dans le conseil d'administration, salariés, investisseurs, collectivités locales, associations, usagers. Toutes ces parties intéressées à la bonne marche de l'entreprise, à la qualité de sa production et à son impact environnemental sont habilitées à prendre à prendre les décisions stratégiques qui s'imposent. Les travailleurs, de ce fait, ne seraient plus assujettis à un management financier qui rend leur travail de plus en plus abstrait et dénué de sens. Ils seraient amenés à co-décider des conditions et des finalités de leur travail. Alors pourquoi ne pas transformer Air France, Renault, Airbus, ou d'ailleurs la SNCF, EDF ou La Poste, en grande cycle société coopérative d'intérêt collectif national en mesure d'assurer l'installation et la gestion des équipements nécessaires aux mobilités douces et aux transports collectifs réinventés dont nous avons besoin? Pourquoi ne pas reprendre le contrôle sur une industrie pharmaceutique qui vit largement sur deniers publics, y compris Sanofi ou Servier en France, en constituant un puissant secteur socialisé du médicament pour servir l'intérêt général au niveau national et mondial? Alors, ça pose la question du travail. Aujourd'hui, il faut prendre soin du travail pour qu'il puisse lui-même prendre soin de la nature. Alors, dans l'agriculture et l'industrie, la reconversion des équipements et des emplois existants dans nos nouvelles production utile et durable permettra de préserver les qualifications et l'expérience des travailleurs. Quand cela n'est pas possible, il peut s'avérer difficile de reconvertir une raffinerie de pétrole en usine d'éolienne, une sécurité sociale professionnelle doit garantir des formations et le maintien intégral du salaire et de la protection sociale aussi longtemps que nécessaire. Un revenu de transition écologique financé par l'État, mais dont l'attribution serait décidée par des instances démocratiques locales, pourrait soutenir les acteurs locaux qui s'engageront dans l'initiative des projets collectifs d'agroécologie, d'habitat écologique, d'énergie renouvelable, de finance ou de tourisme durable, d'écomobilité, low-tech, etc. Alors, on peut financer ces projets, et la pandémie a montré l'absurdité du leitmotiv selon lequel il n'y aurait pas d'argent magique. En fait, ce n'est pas par magie, mais par décision politique que les États et les banques centrales ont trouvé des milliers de milliards d'euros ou de dollars pour faire face au choc. J'entrerai pas ici dans les détails, mais on sait aujourd'hui que c'est possible, alors même qu'on est loin d'avoir exploité le potentiel d'une réforme fiscale égalitaire et d'une
éradication de la fraude fiscale internationale. Enfin, il faut aborder la question de la relocalisation du système productif. Nos gouvernants vont devoir, ils l'ont dit eux-mêmes, relocaliser, rapatrier quelques activités industrielles de production de certains médicaments ou de masques. Mais peut-être ils renonceront-ils difficilement au monde d'avant, c'est-à-dire à cette mondialisation commerciale et financière qui donne un si formidable pouvoir aux détenteurs de capitaux. Et donc la relocalisation se limitera sous le régime à quelques produits et secteurs extrêmement limités. Aujourd'hui, l'immense majorité de nos concitoyens se prononce en faveur d'une relocalisation de l'économie. Pour réduire massivement les émissions de CO2 liées au transport de marchandises internationaux et pour reprendre le contrôle démocratique de nos productions et réduire le pouvoir du consumérisme, une relocalisation de grande ampleur est nécessaire, mais pas n'importe comment. Il ne s'agit pas d'une relocalisation compétitive et xénophobe qui ne serait qu'un instrument de plus dans la guerre économique. Il faut une relocalisation écologique et solidaire qui préserve, qui développe les coopérations internationales vigoureuses dont nous avons besoin pour lutter contre les menaces globales. Relocaliser ne signifie pas rapatrier les usines de confection textile des banlieues de Hanoï ou de Dakar pour fabriquer en Europe des vêtements bas de gamme. Il s'agit de repenser les besoins d'habillement et d'y pourvoir via des filières territorialisées dans de bonnes conditions sociales et écologiques. Alors, des productions, par exemple, de vêtements, des productions relocalisées, belles et durables, même plus chères que le low cost actuel, peuvent attirer une clientèle populaire dont le pouvoir d'achat aura été revalorisé par la hausse des bas salaires et des minima sociaux. Des milliers d'emplois locaux et pérennes seront ainsi créés, qui ne dépendront plus des caprices d'entreprises multinationales. Il faut évidemment pour cela stopper la spirale de libéralisation du commerce. La Commission européenne a continué de signer des accords de libre-échange, y compris pendant le confinement avec le Mexique. Ça, ce sont des absurdités qu'il faut interrompre, comme le recommande d'ailleurs la Convention citoyenne sur le climat. On nous parle de contribution climat aux frontières de l'Union européenne. Mais plutôt que les taxes aux frontières qui agitent un imaginaire de la menace étrangère et nous conduisent à une logique de repli sur soi, il faudrait plutôt installer une taxe kilométrique non liée au passage de frontières, mais qui accroîtrait substantiellement le coût du fret et dissuaderait le transport de marchandises sur longue distance. Cette taxe incitera au développement de circuits économiques locaux et régionaux, aidant les populations à mieux comprendre et décider comment est produit ce qu'elles consomment. Mais loin d'un protectionnisme mercantile et agressif, c'est un outil coopératif, cette taxe kilométrique, qui renchérit autant nos exportations que nos importations dans une perspective de coopération avec les partenaires commerciaux du monde entier. Alors, au-delà de la reconversion, de la relocalisation solidaire, la question du vivre ensemble, des mécanismes politiques qui organisent notre vivre ensemble, ici en France, en Europe et dans le monde, cette question de la démocratie est bien l'enjeu vital de la période qui s'annonce. Depuis 2008, avec les mouvements sociaux qui ont traversé la planète, les indignés, Occupy, en France les Nuits debout, les Gilets jaunes, récemment les mouvements contre la loi travail ou la réforme des retraites, les vagues internationales du féminisme et du mouvement climat ces dernières années, et puis les récentes insurrections populaires dans de nombreux pays, nous savons que le système représentatif capturé par les oligarchies financières, dont Emmanuel Macron est vraiment une incarnation exemplaire,
ce système représentatif est à bout de souffle. Nous savons aussi qu'une politique de relocalisation et de reconversion solidaire ne pourra pas être décrétée d'en haut. Pour être pertinente et populaire, elle devra inclure dès sa conception les citoyens et les citoyennes, à commencer par les plus précaires. Nous ne manquons pas d'idées à propos, et beaucoup de propositions ont été faites pour rénover les institutions, aller vers une sixième république. Nous savons aussi qu'aussi bien conçues soient-elles, les institutions perdent de leur vitalité démocratique si elles ne sont pas sans cesse contestées et aiguillonnées par les mouvements de la société, par les luttes sociales au plus près des réalités de la vie. Le confinement et ses conséquences sociales terribles pour les sans-logis, les mal-logés, les plus précaires, les plus âgés, ont conduit, je l'ai déjà dit, à de multiples actions de solidarité dans les quartiers et les territoires ruraux, en s'appuyant sur les réseaux associatifs et militants déjà constitués, mais aussi sur les habitants nouvellement investis. Dans la crise sociale qui commence et qui sera profonde, il est décisif de poursuivre et d'amplifier ces dynamiques de solidarité. Et je pense que là, j'en viens à la responsabilité politique des mouvements sociaux. Elle est énorme aujourd'hui. Il leur revient d'organiser des assemblées populaires dans les quartiers, dans les villages, dans les entreprises, dans les régions, dans les branches, pour se confronter, pour délibérer, pour commencer à prendre soin des autres et de la nature dont nous sommes, pour définir et mettre en œuvre les priorités sociales et écologiques en matière de production, de services, de financement. Rien ne serait plus tragique dans la situation qui vient que de voir les syndicalistes s'opposer aux écologistes sur les questions de reconversion, bon, au nom de la préservation de l'emploi, les élus locaux aux associations sur les questions des droits des migrants, qui vont avoir une importance majeure, les militants contre l'oppression sociale, l'oppression de classe, s'opposer à ceux et celles qui luttent contre l'oppression sexiste ou raciale, les villages contre les quartiers pour l'accès à la terre, etc. La convergence, la coopération entre les causes est aujourd'hui un enjeu décisif. Ce monde de demain, ces mondes de demain, nous les construisons dès maintenant dans les coopératives de production d'activités, dans les associations qui organisent le travail des personnes privées d'emploi ou les circuits courts, dans les municipalités qui rendent le pouvoir aux habitants et aux habitantes, dans l'action syndicale qui vise à revaloriser le travail et sa qualité, dans les associations qui défendent la dignité des personnes discriminées, dans les partis politiques qui cherchent à sortir des ornières de la délégation, quand c'est le cas, dans les zones à défendre ou les zones d'autonomie et de gratuité qui cherchent à échapper à l'emprise du capitalisme et du productivisme. La pandémie actuelle, la crise sociale qui s'ensuit, met notre monde à l'épreuve du réel, à l'épreuve de la nécessité, de l'essentiel. Nous faisons l'expérience concrète de la complexité du vivant, de la trame à laquelle nous appartenons et qui ne peut être appropriée, des interdépendances humaines et non humaines. Nous vérifions que ces alternatives que nous avons construites depuis de nombreuses années, ces utopies concrètes que sont les services publics, les coopératives, les circuits courts, les communs, ces alternatives sont protectrices et émancipatrices. Elles relèvent souvent du soin, du care, de la réparation, de l'entretien, de l'éducation, du recyclage, de l'entraide, plus que de la production, de l'accumulation. Comme nous y invitent les écoféministes, les alternatives doivent être reconnues et instituées, non pas
comme complément dit reproductif d'un ordre productif inchangé, mais comme valeur et activité capable de destituer l'obsession productiviste et techniciste, la primauté de l'extraction, de la production, de la croissance. Alors, le remède n'est pas dans un État tutélaire et omniscient qui nous protégerait des étrangers, ni dans un capitalisme vert dopé à la high-tech et au consumérisme smart. Ce dont nous avons besoin, c'est de la construction des communs à toutes les échelles, du local au global, pour que la démocratie, qui est à la fois un outil et une finalité du vivre ensemble, progresse dans toutes les sphères de la vie économique et sociale. Ces alternatives sont fondées non seulement sur la relocalisation de l'économie, objectif désormais incontournable, mais dont les formes et les implications peuvent recevoir des contenus divers, voire régressifs, mais aussi sur la redéfinition des richesses. Qu'est-ce qui compte pour nous ? Leur redistribution, la démocratisation de la démocratie, la réinvention de nos relations à la terre et au vivant, la refondation de la coopération internationale. Il nous faut donc redonner du sens au travail, à la politique, construire la résilience sociale et écologique d'une société, nouer des complicités et des alliances inédites. Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en manque de care. Merci de votre attention. Le Gers, c'est l'énergie, la convivialité, le bien-vivre. C'est le Sud-Ouest, la Toscane française. J'ai envie de vous montrer le Gers, mon Gers. Je vous emmène dans ma campagne à la recherche des bons produits du terroir. Chez nous, on aime échanger, déguster, partager. Je vous emmène à l'aventure, prendre un bon bol d'air sur nos rivières ou découvrir nos villes et villages. Je vous emmène dans un pays où il fait bon vivre. Venez goûter à la Dolce Vita gersoise. Vous êtes chez vous dans le Gers. Allez, chasse!
Bonjour, je suis très content de participer au Marathon des sciences. Et ensemble, nous allons examiner la question « Combien serons-nous d'humains sur Terre demain ?» et « À quoi ressemblera la population mondiale ?» Alors, pour cette présentation, je vais m'appuyer sur des contenus animés en ligne que j'ai moi-même conçus et qui sont accessibles sur le site internet de l'Institut national d'études démographiques. Et ces contenus que l'on va voir ensemble, ben vous-même, vous pouvez les revisiter après la conférence. Ils sont accessibles gratuitement. Alors, ce sujet de la démographie mondiale, je l'ai aussi traité dans un ouvrage aux éditions Autrement, c'est l'Atlas de la population mondiale qui est paru en 2019 et vous pouvez aussi retrouver des résultats sur la démographie mondiale. Alors, il s'agit d'examiner combien nous pourrions être demain et pour explorer l'avenir, c'est bien d'avoir en tête les évolutions passées. Et je vous propose de revenir 2000 ans en arrière. Et donc là, je vais utiliser une ressource que j'ai conçue, donc, qui est sur le site de l'INED. Alors là, on est sur la page d'accueil du site de l'Institut national d'études démographiques. Et pour explorer l'évolution de la population mondiale depuis 2000 ans, je utilise cette ressource. Voilà, alors il y a 2000 ans, on estime que sur Terre, il y avait 250 millions d'habitants. Alors c'est une estimation très incertaine, on était peut-être le double, peut-être la moitié, il n'y avait pas de recensement comme aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que dans les 2000 ans qui ont suivi, la population n'a guère augmenté. Elle a augmenté légèrement, quelques pourcents par siècle, ce qui l'a amené à atteindre 1 milliard d'habitants en 1800. Elle franchit ce seuil et se met à augmenter très rapidement. 2 milliards en 1927, 3 milliards en 1960, 4 milliards en 1974, 5 milliards en 1987, 6 milliards en 1999, 7 milliards, on l'a franchi il y a 9 ans, et les démographes vous annoncent qu'on franchira 8 milliards en 2022. C'est dans 2 ans. Et ensuite, que deviendra la population ? Elle devrait continuer d'augmenter. Les démographes, comme moi, vous annoncent 10 milliards en 2050, mais surtout, on ne serait guère plus ensuite. Alors, plusieurs questions avec cette courbe. Pourquoi la population n'augmentait que très lentement jusqu'à il y a 2 siècles ? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 siècles pour qu'elle se mette à augmenter rapidement ? Et puis, pourquoi cette annonce 10 milliards, et que probablement la population ne va pas atteindre beaucoup plus. Alors, aujourd'hui, on vit une période un petit peu particulière de l'espèce humaine, cette croissance démographique rapide, vous voyez, qui a commencé il y a 2 siècles, mais qui devrait s'arrêter prochainement. Alors, aujourd'hui, la croissance démographique, eh bien, on peut la résumer chaque seconde, naissent 3 bébés. Et chaque seconde, 2 personnes meurent. Vous voyez que la démographie n'est pas très compliquée. 4 moins 2, ça fait 2 personnes en plus chaque seconde sur la planète. Par jour, 200 000 habitants, une ville de la taille de Saint-Étienne, par exemple, et par année, 75 millions d'habitants, un pays entre la France et l'Allemagne. Rapporté à la population, c'est un taux de croissance annuel de 1% par an. Si ce taux se maintenait, ça veut dire un doublement de la population tous les 65 ans. Donc on était 7,5 milliards en 2015, on serait 15 milliards en 2080, vous voyez, un doublement tous les 65 ans, on arrive vite à des chiffres de centaines de milliards. Ce n'est pas ce que je vous annonce et mes collègues démographes vous annoncent, seulement 10 milliards ou 11 milliards, on ne sait pas, mais guère plus. Pourquoi ? Eh bien, là, il faut revenir au passé pour comprendre ce qui s'est passé il y a 2 siècles et qui a entraîné la croissance démographique rapide que l'on connaît aujourd'hui et qui probablement va cesser prochainement. Alors, jusqu'à il y a 2 siècles, partout sur la planète,
il y avait un quasi-équilibre entre les naissances et les décès, entre la natalité et la mortalité. Les femmes mettaient au monde beaucoup d'enfants, en moyenne 5, 6 chacune. La majorité de ces nouveau-nés mouraient avant de devenir adultes. On estime qu'en France, au milieu du XVIIIe siècle, il ne restait que la moitié des enfants qui étaient nés à l'âge de 10 ans. Donc la moitié des enfants mouraient à l'âge de 10 ans. Et au total, eh bien, sur ces 6 enfants que finalement une femme mettait au monde, il n'y en avait que 2 qui survivaient et jusqu'à l'âge adulte. Alors, un changement il y a 2 siècles dans une partie du monde, en Europe et en Amérique du Nord. La mortalité se met à baisser, notamment la mortalité infantile. Pour quelle raison? Eh bien, le XVIIIe siècle est une période de progrès socio-économique en Europe et aussi en Amérique du Nord. Les famines disparaissent progressivement. La mortalité des enfants se met à baisser car c'est l'époque des premières inventions en matière d'hygiène et de médecine. Le premier vaccin, le vaccin contre la variole, a été mis au point il y a plus de 2 siècles par un Anglais, Jenner, et cette innovation s'est répandue très vite en Europe et en Amérique du Nord et a entraîné une baisse importante de la mortalité des enfants car la variole était une cause importante de décès. Donc la mortalité, notamment des enfants, diminue, les femmes continuent à avoir beaucoup d'enfants, apparaît un excédent des naissances sur les décès. C'est le début de la croissance démographique rapide de l'humanité, mais qui se manifeste d'abord en Europe et en Amérique du Nord, où la population se met à augmenter rapidement. Au bout d'une ou 2 générations, les parents s'aperçoivent que les enfants survivent en plus grand nombre. Et alors, ces enfants plus nombreux à survivre, eh bien, c'est un coût. Il faut les nourrir, les habiller. La mode, c'est de les envoyer à l'école, ça coûte, et apparaît un nouveau comportement chez les couples, c'est la limitation volontaire des naissances. Les femmes, les hommes se mettent à utiliser des moyens pour avoir moins d'enfants. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce n'est qu'il y a 2 siècles que s'est développé ce nouveau comportement de limitation de volontaire des naissances. Pendant toute son histoire, l'humanité a vécu avec les naissances survenant chez un couple sans que l'homme et la femme fassent quelque chose pour en limiter le nombre. Vous voyez que c'est un phénomène tout à fait récent qui n'est pas lié à l'invention de la pilule, du stérilet, qui sont venus bien plus tard. C'est en France, par exemple, le coït interrompu qui a permis aux paysans français d'avoir moins d'enfants au cours du XVIIIe siècle. Les naissances diminuent, le taux de natalité diminue, le taux de mortalité continue de diminuer, mais la natalité reste plus importante que la mortalité, donc il y a toujours plus de naissances que de décès, jusqu'au moment où les 2 taux de mortalité et de natalité se rejoignent à des niveaux bas, comme dans tous les pays développés et dans de plus en plus de pays en développement. Et donc apparaît un nouvel équilibre entre les naissances et les décès, mais vous voyez, très différent de l'équilibre ancien. Les couples ont 2 enfants en moyenne chacun, c'est à peu près le chiffre qu'on observe en France, par exemple, et l'immense majorité de ces enfants qui naissent survivent jusqu'à l'âge adulte et remplacent les parents. Donc on a à nouveau 2 parents remplacés à la génération suivante par 2 enfants et donc potentiellement un nouvel équilibre démographique. Alors, ces changements survenus au cours des 2 derniers siècles et qui sont survenus en Europe, eh bien, les démographes l'appellent la transition démographique. Et du fait de cet excédent des naissances sur les décès pendant toute la période de transition, elle s'accompagne d'une multiplication de la population. Et donc l'Europe a vu sa population multipliée par 4 au cours des 2 derniers siècles, sans compter tous les migrants qu'elle a fournis, qui sont allés peupler l'Amérique, l'Afrique du Sud, l'Australie. Alors,
les mêmes changements sont survenus ensuite dans les autres régions du monde, lorsque ces régions ont également bénéficié des progrès de l'hygiène et de la médecine. Et puis, de la même façon, la limitation volontaire des naissances s'est diffusée dans ces régions. Alors, à l'échelle de l'humanité, les femmes mettent au monde, alors c'est le chiffre de 2015 qui apparaît ici, mais en 2020 il est un peu plus faible, 2,5 enfants en moyenne chacune. C'est moitié moins que la moyenne mondiale d'il y a 50 ans, 5 enfants par femme. Et la grande majorité de ces enfants sont encore vivants à 5 ans. Alors, il y a des différences d'un continent à l'autre, mais en Asie, en 2015, les femmes mettaient au monde 2,2 enfants en moyenne chacune. En 2020, l'estimation, c'est 2,1, exactement le seuil permettant le strict remplacement de la population à terme. L'Amérique latine, 2,1 enfants par femme en 2015. Aujourd'hui, c'est moins de 2,1, c'est 2,0. Donc, l'Amérique latine, globalement, est en dessous du seuil de remplacement des générations. L'Europe est en dessous, les Européennes ont 1,6 enfants en moyenne chacune. Et les Américaines du Nord, un peu plus, mais aujourd'hui, c'est pratiquement le même chiffre en 2020, 1,6 enfants en moyenne chacune. Voilà, donc la transition démographique qui a commencé en Europe s'est diffusée à l'échelle de toute la planète. Elle a entraîné une multiplication du nombre des hommes. Et d'après ce schéma, si la transition se poursuit jusqu'à son terme, vous voyez que potentiellement, elle aboutit à une croissance zéro de la population ou en tout cas une très forte diminution de la croissance démographique. Voilà. Alors, il y a un continent, l'Afrique, qui a connu ces évolutions plus tard que les autres. Et donc, il est à mi-chemin. Il a connu une baisse très importante de la mortalité, même si elle y est la plus élevée du monde. Et les couples limitent volontairement leur naissance, mais ça a commencé il n'y a pas très longtemps. Et donc, les femmes en Afrique ont encore 4,5 enfants en moyenne chacune actuellement. Donc, probablement qu'il n'y a pas de raison, l'Afrique ne va pas faire exception et devrait connaître les changements observés dans les autres continents. Voilà. Alors, c'est sur la base de cette histoire survenue en Europe, mais qu'ont connu également les autres continents, que les démographes se basent pour faire des projections pour l'avenir. Ils supposent que la transition démographique va se poursuivre jusqu'à son terme dans les régions du monde où elle n'est pas encore achevée, avec un rythme qui peut varier d'un continent à l'autre, mais globalement, on devrait aller vers peut-être cet équilibre nouveau avec naissance et décès qui s'équilibrent. Alors, je vous propose maintenant d'examiner avec un simulateur de population ce que pourrait être la population mondiale demain. Et donc, j'utilise un outil pour faire des projections de population, qui est un simulateur. Et vous voyez sur votre écran, sur l'écran, la pyramide des âges mondiales avec donc les 7,8 milliards d'habitants en 2020. Donc, on est presque 8 milliards, on va être à 8 milliards en 2022. Et pour explorer combien on serait demain, eh bien, je vais démarrer la simulation. Alors, chaque année qui passe, un certain nombre de nouveau-nés se rajoutent en bas de la pyramide, et puis chaque classe d'âge grimpe d'un an dans la pyramide. Alors, vous voyez que si on en restait au niveau de fécondité d'aujourd'hui, 2,44 enfants en moyenne par femme en 2020, d'après les Nations Unies, et puis une espérance de vie mondiale de près de 73 ans, eh bien, la population mondiale continuerait d'augmenter. Alors, on va accélérer le rythme. Et
la vitesse, elle atteindrait 10 milliards en 2058. Et elle continuerait d'augmenter. Alors, j'accélère. Vous voyez qu'on arriverait à 15 milliards vers 2130. Alors, les chiffres sont un peu petits, là. Vous avez les années ici. Donc, la population continue d'augmenter indéfiniment. Alors, ça, c'est la simulation où les taux de fécondité et de mortalité sont figés au niveau d'aujourd'hui. C'est ce qu'un certain nombre de gens ont en tête. Ce n'est pas ce qui va se passer. Vous, comme je l'ai expliqué, la fécondité baisse à l'échelle de la planète. Et donc, je vais arrêter cette simulation. Et vous passez donc la simulation correspondant à la projection moyenne des Nations Unies. Alors, on va démarrer le scénario des Nations Unies. Voilà. Alors, dans ce scénario, on n'a plus accès aux paramètres de fécondité et de mortalité. Vous voyez ici que la fécondité continue de diminuer dans la poursuite des évolutions passées et l'espérance de vie continue d'augmenter à l'échelle de la planète. Et vous voyez que on arrive à 10 milliards en 2050, mais la population n'augmente plus tellement. Elle pourrait même légèrement baisser. Alors, c'est parce que, voilà, si on... Bon, là, je manipule mon outil de simulation un petit peu brutalement. Donc, j'ai créé un baby boom à l'échelle mondiale. Vous voyez que cet outil, vous pouvez l'utiliser pour illustrer les effets d'un baby boom, d'un baby crash, d'une surmortalité. Je vais arrêter là, mais vous avez compris, vous pourrez vous-même utiliser ce simulateur. C'est un petit peu sur le principe de ce type de simulation que les démographes se basent pour annoncer qu'on sera plus nombreux. On pourrait être autour de 10 milliards en 2050, mais on ne sera pas des centaines de milliards comme certains le craignent. Voilà. Alors maintenant, on sera peut-être 2 milliards de plus qu'aujourd'hui, dans 50 ans, dans 100 ans. On sera peut-être un peu plus ou un peu moins que ces 10 milliards en plus. Un autre changement en germe, c'est la répartition des humains sur la planète. Et là, elle va changer comme dans la poursuite des changements d'aujourd'hui. Et donc, je vais utiliser un autre outil que vous avez aussi en accès libre sur le site de l'Institut national d'études démographiques pour explorer l'avenir et à quoi ressemblera la population mondiale demain. Alors là, vous avez sur cette courbe l'évolution du nombre total des humains de 1950. On était 2 milliards et demi sur la planète. Aujourd'hui, on est près de 8 milliards. Et puis, c'est ici la projection moyenne des Nations Unies qui arrive en 2050 à un peu moins de 10 milliards et en 2100 à près de 11 milliards. Mais vous voyez que la courbe ralentit sa progression. Alors, on sera plus nombreux, mais répartis de façon différente. Prenons comme exemple les deux premiers pays par la population dans le monde. Ce sont la Chine, premier pays le plus peuplé de la planète. Je vais faire apparaître sur l'écran la courbe d'évolution de la population chinoise. Attendez, je me suis trompé de un peu petit. Voilà. Donc, je vais grossir un peu l'écran. La Chine comptait un peu plus de 500 millions d'habitants en 1950. Elle en compte aujourd'hui près de 1,5 milliard. Et vous voyez que la projection moyenne des Nations Unies annonce pratiquement la fin de la croissance de la population en Chine, un plateau, un sommet, et ensuite
une diminution pour retrouver une population de 1 milliard d'habitants à la fin du siècle. Ça, ce n'est pas ce qui va arriver, mais c'est la projection selon le scénario moyen des Nations Unies. Le deuxième pays le plus peuplé de la planète, c'est l'Inde. Et là, je vais faire apparaître la courbe de l'évolution de la population indienne. Elle apparaît en rouge sur l'écran. Alors, l'Inde comptait que 350 millions d'habitants ou un peu plus en 1950, contre 550 millions en Chine. Vous voyez que depuis donc un demi-siècle, les deux pays ont vu leur population augmenter sensiblement, mais la Chine étant toujours le premier pays par la population. Et les projections annoncent un croisement des courbes très prochainement, avant 2030, et même, alors on ne voit pas très bien, mais dans moins de 10 ans probablement, l'Inde atteindrait le même chiffre que la Chine et dépasserait la Chine et deviendrait le premier pays par la population. Mais elle-même verrait sa population plafonner autour de 1,6 milliard et se mettre à diminuer. Voilà. Alors, que valent ces projections, ces annonces? Eh bien, si on examine le nombre d'enfants qui sont nés chaque année dans les deux pays, il y a 50 ans, chaque année, il y avait plus de bébés qui naissaient en Chine qu'en Inde. Mais les courbes se sont croisées dans les années 70 et ça fait depuis maintenant presque 50 ans que chaque année il naît plus de bébés en Inde qu'en Chine. Et on estime qu'en 2020, ils seront nés 24 millions de bébés en Inde contre près de 17 millions en Chine. Alors, il n'y a pas besoin de faire des calculs complexes. Si pendant 50 ans, il y a plus de naissances dans un pays que dans un autre, même en tenant compte des différences de mortalité des enfants entre les pays, mais la mortalité des enfants a beaucoup baissé en Chine, mais aussi en Inde, eh bien, on peut annoncer, sans beaucoup se tromper, que le pays où il y a plus de naissances va être le plus peuplé, car les naissances d'aujourd'hui, c'est la population de demain. Donc, l'Inde va devenir le premier pays par la population très prochainement, dans quelques années. Que le classement des pays est en train de changer. Alors, le troisième pays par la population dans le monde, c'est les États-Unis. Alors, c'est intéressant, là aussi, de comparer l'évolution de la population. Alors là, on va revenir à la population. Les États-Unis. Voilà. Donc, ils apparaissent en noir. 330 millions d'habitants en 2020. Alors, j'ai laissé la courbe de l'Inde, mais je vais mettre un autre pays qui est le huitième par la population à l'échelle mondiale. C'est le Nigeria. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. Le Nigeria, c'est un pays qui, aujourd'hui, compte deux fois moins d'habitants que les États-Unis, ou un petit peu plus que les États-Unis, 330 millions d'habitants en 2020, et puis le Nigeria, 200 millions seulement. Voilà. Mais là aussi, les projections annoncent un croisement des courbes avant 2050, et le Nigeria, dépassant les États-Unis, alors que les deux pays auraient 370 millions d'habitants environ, chacun, et à la fin du siècle, le Nigeria aurait plus de 700 millions d'habitants, les États-Unis un peu plus de 400 millions. Voilà. Alors là aussi, que valent ces annonces? Eh bien, penchons-nous sur le nombre d'enfants qui naissent chaque année. Voilà. Eh bien, en 2020, il sera né, a priori, deux fois plus pratiquement de bébés au Nigeria qu'aux États-Unis. Vous voyez que les courbes se sont croisées pour ce qui est des naissances il y a pratiquement 40 ans. Et donc, ce n'est pas très compliqué
même en tenant compte d'une mortalité des enfants nettement plus élevée au Nigeria qu'aux États-Unis, mais qui a beaucoup baissé au Nigeria cependant, d'annoncer que le Nigeria pourrait dépasser les États-Unis et donc devenir le troisième pays par la population à la fin du siècle. Et vous voyez que la projection moyenne des Nations Unies annonce pour le Nigeria plus de 700 millions d'habitants à la fin du siècle. Et la population continue de croître. Ce n'est pas exclu que le Nigeria rattrape le deuxième pays par la population à ce moment-là. C'est la Chine qui aurait 1 milliard mais qui verrait sa population diminuer. Et que le Nigeria devienne au 22e siècle le deuxième pays par la population, derrière l'Inde, mais devant la Chine. Alors, c'est un peu lointain, les choses peuvent évoluer de façon bien sûr différente des hypothèses, des projections des Nations Unies, c'est sûr même, mais pour ce qui est du proche avenir et pour un démographe, 2050, c'est demain, c'est dans 30 ans, c'est une génération. Et donc, beaucoup d'évolutions sont déjà tracées, presque dans le marbre. Voilà. Alors, une population plus nombreuse, mais 2, 3 milliards en plus par rapport aux 8 milliards d'aujourd'hui, une population répartie de façon différente. Je vais prendre un dernier exemple au point de vue contraste. Examinons les évolutions de la population de l'Europe. Alors, je vais afficher. Voilà, alors l'Europe au sens large, c'est-à-dire de Brest à Vladivostok. Donc, on va inclure la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, etc. C'est un ensemble qui compte 750 millions d'habitants. Le Nigeria, 200 millions d'habitants. Mais vous voyez que dans les projection des Nations Unies, le Nigeria pourrait rattraper par la population l'ensemble de cette Europe très vaste et la dépasser. En tout cas, si on compare l'Europe au continent africain, alors l'Afrique dans son ensemble, voilà, compte 1 milliard 300 millions d'habitants. En 2020, donc c'est presque le double de la population de cette Europe très large. Hein. Vous voyez que les deux courbes se sont croisées il y a déjà 25-30 ans. Et l'annonce des Nations Unies, dans son scénario moyen pour l'Afrique, c'est plus de 4 milliards d'habitants en 2100. Donc pour ce qui est de l'Afrique, aujourd'hui, avec son 1 milliard 300 millions d'habitants, l'Afrique représente un habitant de la planète sur 6. Donc sur les 8 milliards d'humains que nous sommes, il y en a donc 1 milliard 300 millions qui vit en Afrique. En 2050, l'Afrique dans son ensemble, ça représenterait 2 milliards et demi d'habitants sur un ensemble mondial qui en compterait 10, donc un habitant de la planète sur 4. Et en 2100, alors c'est lointain, mais les tendances, si elles se poursuivent, aboutiraient à plus de 4 milliards d'habitants en Afrique sur un total mondial de 11 milliards, ça veut dire un habitant sur 2 à un habitant sur 3 de la planète qui habiterait en Afrique. Donc ce siècle va voir un essor démographique de l'Afrique qui va peser de plus en plus dans l'ensemble mondial. Et on le voit là dans les contrastes entre l'Europe, au nord de la Méditerranée, et l'Afrique, qui s'accentue. Voilà. Alors, une population plus nombreuse, mais pas énormément plus nombreuse à l'échelle de la planète, des croissances différentes d'un continent à l'autre, donc un changement dans la part des différents continents, dans l'ensemble de la population mondiale. Et puis un dernier phénomène que je voudrais voir avec vous, c'est le vieillissement de la population. Et je vais utiliser une autre ressource que vous pouvez aussi utiliser
elle est accessible sur le site de l'INED et qui s'intitule « La population et moi ». Voilà. Alors, nous sommes près de 8 milliards et avec cet écran, vous pouvez indiquer votre âge et savoir combien il y avait d'humains quand vous êtes né. Alors, on va prendre une personne de 50 ans, 60 ans, donc 3 milliards quand cette personne est née. Aujourd'hui, près de 8 milliards, donc la population a été multipliée par 2,5. Alors, pour l'Europe, elle n'a augmenté que de 23%. Pour l'Afrique, un petit peu une revisite de ce que je viens de vous dire, elle a été multipliée par 4,7. Voilà. Alors, cet écran vous indique aussi, si vous avez 60 ans, quelle a été l'évolution de votre génération. Et elle vous indique que, si vous avez 60 ans, 107 millions de bébés sont nés la même année que vous et qu'il en reste 2/3 en vie comme vous. Donc il y a 1/3 de votre promotion, on pourrait dire, génération de naissance, qui est décédée. Mais là aussi, ça varie selon les continents. Il y a 60 ans, en Afrique, c'est 13 millions de bébés qui sont nés et pratiquement plus de la moitié sont décédés. Alors qu'en Europe, eh bien, il en est né 12 millions et 86% sont encore en vie. Donc ça illustre les contrastes de mortalité dans les différents continents. Et dernier point, si vous utilisez cet écran, il vous permet de savoir où vous vous situez dans la pyramide des âges. Est-ce que vous faites partie des jeunes ou des vieux ? Alors à 60 ans, à l'échelle mondiale, on fait définitivement partie des vieux. Si on prend comme définition jeune-vieux que vous faites partie de la minorité la plus âgée ou la plus jeune. Alors, cet écran vous permet de déterminer quel est l'âge qui vous fait basculer des jeunes aux vieux. Eh bien, il est facile à retenir, on va l'utiliser là. C'est pratiquement 30 ans. Donc, si vous avez passé cet âge, ben, vous êtes vieux. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes vieux, vous avez toute la vie devant vous. Ça veut dire que la population mondiale est jeune. Elle compte beaucoup de jeunes. Alors, vous pouvez vous rassurer parce que à 30 ans, en Europe, eh bien, on fait partie des jeunes, on fait partie de la minorité la plus jeune. Mais avec le même âge, en Afrique, on fait partie des vieux. On fait partie du tiers le plus âgé de la population. Donc, l'âge médian de la population mondiale, 30 ans, c'est celui qui divise de façon inégale 1/3, 2/3 la population de l'Afrique et la population de l'Europe. Je vous laisse avec cet écran, puisqu'on peut parcourir le monde et les pays pour voir quels sont les pays les plus âgés et les plus jeunes. Et donc, je voudrais peut-être arriver à la conclusion de cette présentation. Vous avez vu avec moi, on n'échappera sans doute pas à un surcroît de population à l'échelle mondiale de 2 milliards. Pourquoi ? Il est illusoire de penser qu'on va pouvoir jouer sur la courbe ou en tout cas arrêter la croissance immédiatement. La majorité des humains qui seront en vie dans 30 ans, en 2050, ils sont déjà nés. La plupart d'entre vous en font partie de ceux qui seront encore en vie en 2050, en tout cas je l'espère. Et on peut estimer combien on sera en 2050 et d'une façon assez précise, les projections sont assez robustes à cet horizon-là, parce que comme je vous l'ai dit, la majorité des humains qui seront en vie en 2050, ils sont déjà là. On peut calculer la part des 8 milliards d'aujourd'hui qui vont mourir, et puis aussi le nombre de nouveau-nés
qui se rajouteront d'ici là. Les femmes qui mettront au monde des enfants d'ici 2050, eh bien, la plupart sont déjà nées. On peut faire une hypothèse sur le nombre d'enfants qu'elles auront et donc estimer le nombre de nouveaux arrivants sur la planète d'ici 2050 et faire le décompte. Donc c'est en gros le principe qu'on a utilisé pour faire ces projections. Donc il est illusoire de penser pouvoir changer beaucoup les courbes et dévier de cette projection, en tout cas à l'horizon très court de 2050. Pour 2100, c'est peut-être, et pour le 22e siècle, il y a des marges de manœuvre, mais là aussi, les évolutions vont d'elles-mêmes. Les humains ont fait le choix d'avoir peu d'enfants. À l'échelle de la planète, les femmes ont 2,4 enfants en moyenne chacune. C'est plus de deux fois moins qu'il y a 50 ans où elles en avaient 5. Et partout sur la planète, il y a ce souhait d'avoir peu d'enfants, deux enfants, mais de s'en occuper pour qu'ils réussissent dans la vie, en général mieux que les parents, ce qui demande des investissements. Donc c'est un comportement qui se diffuse, qui s'est déjà largement diffusé et qui va continuer de se diffuser à la planète, à l'échelle de la planète, et qui explique que les projections ne sont pas d'une population de centaines de milliards. On sera tout au plus autour de 10 milliards d'humains en 2050 et également à la fin du siècle. Et donc, pour terminer, la question finalement la plus importante, c'est peut-être pas celle du nombre des humains, mais celle de la façon dont ils vivent. On sait qu'on ne peut pas modifier beaucoup cette croissance démographique réductuelle d'ici 2050, d'ici la fin du siècle. En revanche, on peut changer les modes de vie pour faire que les humains soient plus économes en ressources et en énergie et soient plus respectueux de la biodiversité et de l'environnement. Et ça, on peut changer nos comportements tout de suite et on doit les changer tout de suite. Donc la question peut-être la plus importante, ce n'est pas celle du nombre des humains, mais de la façon dont ils vivent.
La thématique de la fin du monde ressurgit à intervalles réguliers dans l'histoire. Si les récits eschatologiques, les récits sur les temps de la fin, ont d'abord été pensés au prisme des religions qui attribuent une origine divine ou cosmique à la fin collective, avec la sécularisation, c'est l'humain qui devient responsable et initiateur de cette destinée. Ces récits se sont notamment développés dans les utopies et idéologies politiques, technologiques, mais aussi écologiques. On pense au communisme qui voit dans la dictature du prolétariat la possibilité de la fin de l'histoire. Et puis plus récemment, c'est autour de l'anthropocène que la question des temps de la fin ressurgit. L'humanité, par son mode de production capitaliste et par son usage des ressources, produit les conditions de sa disparition et celles des écosystèmes terrestres. Les discours eschatologiques sont constitutifs des sociétés humaines et sont riches de créativité. D'une part, ils varient d'une culture et d'une époque à une autre. D'autre part, ils permettent de mettre en lumière un humain qui considère son monde comme toujours finissant et par là laisse apparaître, comme le disait Ernesto de Martino, les angoisses civilisationnelles et la fragilité essentielle de l'humain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est premièrement ce que cela raconte sur l'humain et sur son rapport à la finitude, ensuite ce que ces récits disent des sociétés dans lesquelles elles prennent place. L'une des particularités de ces discours, c'est qu'ils s'adaptent toujours au contexte dans lequel ils se déploient. Ils s'articulent à des conditions historiques et formulent la critique d'un ordre social. De là, émergent les espérances d'un monde meilleur. Autrement dit, ce sont de puissants moteurs de contestation. Ils appellent au changement social en cherchant à influencer le temps présent. La question de la fin du monde doit donc plutôt s'entendre comme la fin d'un monde. Aussi, si les discours sur les temps de la fin peuvent susciter l'effroi, chez ceux qui les portent, la motivation se nourrit au contraire de l'attente de ce monde espéré. C'est pourquoi il est parfois question de provoquer cette fin. La créativité pour imaginer un monde autre ne s'arrête donc pas à la production d'un récit, mais s'articule aussi à un système d'action qui cherche à donner corps ici et maintenant. Cette dynamique de l'espérance se veut donc performative. L'une des thématiques contemporaines de la fin de l'humain a été développée par les transhumanistes. C'est de leur représentation sociale et de leurs imaginaires dont je vais vous parler aujourd'hui. Le transhumanisme se définit comme un mouvement intellectuel, culturel et technologique qui repose sur une idée force, la nécessité de s'affranchir de tout déterminisme biologique. Cette idée se traduit par la volonté d'éliminer le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement et la mort. Comment ? En améliorant considérablement les capacités physiques et psychologiques des êtres humains. Grâce au recours aux technologies dites NBIC, donc nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences de la communication, l'objectif est de provoquer le prochain stade évolutif de l'humain appelé la post-humanité. Volontairement floue dans ses formes, elle est toutefois décrite au prisme de ses capacités espérées qu'on appelle aussi les trois piliers, les trois super piliers du transhumanisme, c'est-à-dire la longévité et ou la mortalité. Alors, la mortalité, en un seul mot, c'est la capacité de ne plus mourir ou de mourir dans des circonstances non plus liées à la vieillesse ou à la maladie, mais par exemple, se faire écraser ou une chose comme ça. Bon. Deuxième super pilier, ce sont les compétences cognitives accrues, donc une super intelligence, pour dire autrement. Et enfin, le dernier, c'est le bonheur ou le super bien-être. Bon. Cette transformation, appelée parfois transcendance par les transhumanistes, correspond à la conquête de souveraineté de l'espèce humaine sur sa propre destinée. Cela passe par une reconfiguration radicale de sa constitution biologique, c'est-à-dire l'immortalité, la résilience, etc., et donc de sa condition philosophique. Le transhumanisme, qui a pour horizon d'attente la post-humanité, va construire son eschatologie, son récit sur les temps de la fin de l'humain, en s'appuyant sur les prouesses réalisées et les promesses formulées par les technosciences, en matière d'intelligence artificielle, en matière de biotechnologie, en matière de modification génétique, par exemple. Et cette espérance sur le dépassement de la condition humaine s'ancre dans un contexte particulier. Le premier, c'est une économie de la promesse qui place le progrès comme inéluctable et qui, justement, fait croire, pour obtenir des financements notamment, que certaines innovations vont être réalisées dans un temps à court ou à moyen terme. Deuxième élément, c'est la biomédicalisation des sociétés qui modifie la frontière entre le normal et le pathologique, qui fait alors de la maladie, et par extension de la mort, un phénomène tragique
de moins en moins acceptable. Enfin, troisième élément de contexte particulier, c'est l'aspiration des sciences à prendre la place du sacré. Cette tendance-là, on l'a depuis la Troisième République. Les sciences l'ont, en tout cas, depuis la Troisième République, avec une revendication de transcendance et la volonté de supplanter les religions par leur capacité à organiser l'existence humaine en lui donnant une direction, un but. Avec les technologies NBIC qui se développent dans les années 1970 jusqu'à aujourd'hui, cette tendance vient se réaffirmer. Et on voit apparaître un grand récit sur le pouvoir salvateur et transcendant des sciences. Donc, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qui est intéressant pour comprendre le transhumanisme et son récit sur la fin de l'humain, c'est qu'après avoir participé à démagifier le monde, à le rationaliser, les sciences vont produire les conditions de son enchantement en générant des croyances portant sur le dépassement de soi et sur la fin de l'humain. On peut donc considérer le transhumanisme comme une sorte de réaction à des énoncés scientifiques, mais parfois des énoncés spéculatifs, dont les acteurs ne sont pas nécessairement les producteurs, mais dont ils sont le relais. Et les questions auxquelles je vais répondre dans cette communication sont en quoi consiste précisément cette eschatologie transhumaniste, pourquoi les transhumanistes cherchent-ils à provoquer la prochaine étape de l'évolution humaine, et enfin, que nous disent leurs espoirs sur notre époque, qu'est-ce qu'ils nous disent sur cette société dans laquelle apparaissent ces discours. Il sera donc question d'analyser les espoirs et les attentes transhumanistes dans la post-humanité et d'analyser en quoi ces attentes dans un monde autre dessinent finalement la fin de l'humain, mais aussi et surtout la fin du sujet politique. Ce qui nous amène dans une grande première partie où je vais vous parler de ces imaginaires post-humains. Finalement, qu'est-ce que la fin de l'humain? Et donc je prends le parti de vous plonger dans l'eschatologie transhumaniste avant d'en faire l'analyse. Nous allons le voir, ces imaginaires autour de la post-humanité pensent essentiellement à la fin de l'humain par le recours à une intelligence artificielle dite forte, c'est-à-dire une intelligence artificielle complètement autonome. Bon, je le rappelle, les transhumanistes aspirent au dépassement de soi et la version exacerbée, la version paroxystique de cette aspiration, c'est l'immortalité ou la mortalité, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est ici que la perspective eschatologique de la quête transhumaniste se donne à voir de la manière la plus évidente. C'est avec les récits sur ce qu'on appelle la singularité technologique que la fin de l'humain apparaît. Je vais expliquer en quoi consiste cette singularité. Avant ça, je tiens à préciser qu'on a deux grandes figures du transhumanisme qui ont traité de manière plus précise de la singularité. Donc on a Ray Kurzweil, qui est un ingénieur qui travaille pour Google, et on a Nick Bostrom, un philosophe transhumaniste qui est présent dans de très nombreux instituts transhumanistes. Mais c'est Ray Kurzweil qui a formalisé cette théorie dans son livre « Singularity is near, when humans transcend the biology », donc la singularité est proche. Donc, qu'est-ce qu'il raconte dans ce livre-là? Donc, pour lui, la singularité correspond à la création d'une forme d'intelligence supérieure qui s'auto-améliore rapidement et qui prendra en charge la transcendance des humains. Donc c'est un livre qui est précisément et éminemment spéculatif. Faut le rappeler. Donc la singularité, c'est pour lui ce moment, pour lui et pour les transhumanistes, ce moment où les intelligences artificielles seront capables d'en fabriquer d'autres plus performantes qu'elles. Il explique que lorsqu'une première génération d'IA, digne de ce nom entre guillemets, sera née, la seconde génération arrivera très vite, puis la troisième, puis la quatrième, etc. Et là, c'est ce qu'on appelle l'accélération technologique qui s'emballera et qui marquera la fin de l'histoire. Donc, soyons clairs, la singularité est une aspiration quasi-religieuse à fusionner avec la technologie, faire fusionner l'humain avec la technologie. D'ailleurs, Kurzweil s'amuse de la connotation spirituelle de la singularité en disant que si elle remplace les anciennes religions, alors pourquoi pas. Donc, ça, c'est pour vraiment poser ce contexte. On a Kurzweil comme Bostrom, ce philosophe dont je parlais tout à l'heure, qui ne doute pas qu'une super intelligence, c'est comme ça qu'ils appellent cette intelligence artificielle, ils ne doutent pas que cette super intelligence verra le jour dans un futur relativement proche. Alors on a des dates, parfois c'est 2035, parfois c'est 2045, bon, tout ça n'est que pure spéculation, il n'empêche l'idée de montrer que c'est dans un avenir relativement proche. Donc Bostrom comme Kurzweil
s'emploie à multiplier les exemples qui viennent corroborer l'hypothèse selon laquelle nous nous trouverions déjà engagés dans cette phase de transition. Et ça, c'est quelque chose de complètement classique quand on travaille sur les attentes eschatologiques, les attentes millénaristes, sur les attentes de la fin du monde, en fait. C'est des individus qui sont en tension entre un monde qui n'est pas encore advenu, ce monde espéré, et qui pourtant laisse des indices de déjà là. Donc c'est vraiment dans cet entre-deux que les transhumanistes se trouvent. Et donc pour eux, l'avenir du projet transhumaniste dépend de la façon dont cette intelligence artificielle, cette super-intelligence, sera conçue. Pour Eliezer Yudkowsky, qui est le directeur du Machine Intelligence Research Institute, qu'on appelle le MERI, la singularité est le cours naturel de l'existence. Donc l'objectif de tout ces transhumanistes, c'est de provoquer et d'encadrer la singularité. D'accord ? Donc ils cherchent à créer et à comprendre quelles sont les conditions optimales pour créer cette IA qu'ils considèrent comme étant de la plus haute importance. Sur un forum transhumaniste, on a des acteurs qui vont raconter, et là je cite, et on voit qu'ils sont dans cette logique d'imminence, cette logique d'attente, l'IA véritable arrivera. La laisser en dehors de nos perspectives serait inconcevable. Attendre l'arrivée de l'IA, n'est ni optimiste ni pessimiste. Si nous ne nous préparons pas à leur arrivée, les systèmes d'IA peuvent représenter une grave menace. Avec une préparation correcte, cependant, l'IA peut nous aider à construire un futur radieux pour la Terre, pour les hommes et pour le progrès de l'intelligence de l'univers. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a une singularité qui est pensée à travers le prisme de la naturalisation des progrès techniques. Les progrès techniques sont naturels, ils arrivent les uns après les autres, et finalement, cette façon de concevoir les sciences et techniques, c'est une version déterministe du sens de l'histoire, comme s'il n'y avait qu'une seule direction, et qu'on allait dans cette direction. Donc c'est une rhétorique qui est évolutionniste, et qui érige le progrès en idée universelle, et qui place aussi l'humanité devant le devoir moral d'accepter les changements en cours. Voilà dans quoi se trouve finalement le transhumanisme. Et la singularité, c'est l'attente d'une transcendance à venir. Et elle se décline en différents récits qui visent à faire de l'humain un dieu. En tout cas, ce sont les termes de Kurzweil et de certains transhumanistes. Bon. Ces récits sont tous construits autour d'un même élément, c'est de transférer son esprit soit dans un autre corps, un corps artificiel, soit sur un serveur informatique. Donc dans les deux cas, il est question d'abolir la source du vieillissement, c'est la corporéité biologique, donc la finitude qui mène à la mort. Pour cela, l'esprit d'un individu qui est considéré comme le plus petit dénominateur commun de l'humanité et de l'individu, donc sa mémoire, ses connaissances et ses émotions, doivent être convertis en données numériques dans le but donc d'être téléchargés sur un autre support. La première version, dès qu'il y avait plusieurs versions de ce récit, c'est d'abord, ou en tout cas, l'hybridation. Alors on peut dire que c'est une version transhumaniste de la réincarnation, pour le dire simplement. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a un téléchargement de l'esprit dans un autre corps qui permettrait de vivre éternellement dès lors qu'on change d'enveloppe corporelle, qu'on adapte finalement le corps à l'esprit. Donc pour cela, on a les transhumanistes qui racontent que pour rendre la chose un peu réaliste, il faudrait faire des sauvegardes régulières de la mémoire et de l'esprit, finalement pour que ce transfert soit réalisé. Bon. Et ces informations pourraient être transférées au prochain changement de corps. Donc le cerveau humain, dans ce cadre-là, serait, dans leurs imaginaires bien sûr, également connecté de façon permanente à un réseau grâce à l'implémentation d'IA. Donc on voit déjà qu'on a une fusion, une hybridation humain-machine, à la fois au niveau du corps, mais au niveau de l'esprit. Ce qui séduit dans cette version, c'est de pouvoir bénéficier donc d'une augmentation cognitive avec des intelligences artificielles, mais surtout de conserver une enveloppe physique, puisque c'est quelque chose d'assez clivant chez les transhumanistes, c'est est-ce qu'on garde un corps, est-ce qu'on ne garde pas un corps. Bon, donc là, c'est transcender l'humain en transformant son corps par un recours à la technologie, mais en gardant une forme de corps, une corporéité, et dans le but de conférer à l'individu des qualités qu'on attribue classiquement aux dieux, l'immortalité, la résilience, etc. Bon, ça c'était pour la première version. Pour la seconde version, l'esprit transféré dans un cerveau. Donc là, on se débarrasse finalement du corps, on se débarrasse de l'incarnation et de ses limites. On entre dans un nouveau monde, c'est le cyberespace, et on est immortel en devenant pur esprit,
pure information et en ayant accès à toutes les connaissances présentes sur le réseau. En tout cas, ce sont les imaginaires transhumanistes. Et l'individu, ici, n'est plus humain, il est bien post-humain. Et ça renvoie à une représentation qui réduit l'humanité à l'information qu'elle produit, et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui place l'essence même de l'humain dans le cerveau. Et c'est à travers lui que celui-ci est pensé. Pour certains transhumanistes, l'enveloppe du corps est une entrave, voire une prison de chair. Donc ça, c'est pas tous les transhumanistes qui pensent ça, ce sont les partisans du téléchargement de l'esprit. Donc la modification du corps ou sa suppression n'est donc pas vue comme une altération de l'individu, mais au contraire comme une voie de libération, une voie d'élévation. Yudkowsky, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, partage cette idée, et dans son livre « Scruter la singularité », il explique que les humains sont en passe de devenir obsolètes car limités par leur chair, et c'est la raison pour laquelle il lui apparaît nécessaire de faire évoluer l'humanité. Bon. Le prolongement de l'humain dans et par la technique permettrait, selon ces transhumanistes, d'accéder à un stade supérieur qui n'est pas sans lien, vous l'avez compris, avec des aspirations qui sont métaphysiques, liées au dépassement de la nature humaine. Je cite un enquêté, « Si on pousse assez loin les modifications, l'intelligence et les autres améliorations, tôt ou tard, on arrive carrément à l'étape de l'évolution la plus lointaine jamais imaginée par l'homme, l'existence métaphysique. » Donc pour les partisans de cette version-là, accéder à l'immortalité décorporée à un sans-corps n'est que la première étape finalement de la transcendance. L'objectif final, la finalité de cette croyance, de ce récit eschatologique, c'est de voir agréger toutes les consciences individuelles pour former une entité supérieure qu'ils appellent conscience globale. Et Kurzweil va parler de cette dernière étape comme, et je le cite, étant le réveil de l'univers ou la destinée intelligence du cosmos. Donc cet esprit collectif, qui est le résultat de la fusion des humains et de la machine, permettrait de créer une entité qui est divine et où les individualités auraient disparu. Et cette idée d'atteindre un état de divinité ou de toucher la divinité par la singularité, c'est ça finalement l'eschatologie transhumaniste, c'est cet état de transcendance qui est espéré. Et ça renvoie à une transformation radicale du contrôle de la biologie, et c'est finalement être complètement maître de sa condition physique. La question qui se pose maintenant, que je vous ai décrit ça, c'est comment analyser ces imaginaires? Il faut voir dans les imaginaires sociaux un moteur de transformation historique. Hein, c'est des imaginaires, ce sont des discours qui veulent bousculer le réel en se faisant exploration et expression des possibles, c'est-à-dire qu'ils donnent à voir de manière symbolique, hein, par des images, par des récits, par des imaginaires, les aspirations profondes des acteurs et les modèles de société qu'ils souhaitent voir apparaître. Donc c'est toujours un futur qui ne se passera pas, mais qui dessine de manière exacerbée des tendances, des espoirs. Bon. Et quelles sont les particularités de cette entité post-humaine produite par la singularité? Que disent ces imaginaires sur la place de l'intelligence artificielle et sur celle de l'humain? Eh bien, cette IA est pensée comme le prolongement de l'humain, mais dans une version plus efficace. D'accord? L'IA, pour eux, promet un monde qui serait sans erreur. Les transhumanistes lui confèrent le pouvoir de résoudre n'importe quel problème. Certains voient également dans cette figure une entité qui serait capable de dépasser les apories de la pensée humaine en guidant les humains dans la connaissance. Je cite un enquêté, « Pour moi, il faut laisser l'IA ne faire qu'une seule chose, apprendre et nous transmettre son savoir. » Donc qu'est-ce qu'on a là? On a l'autonomie décisionnelle de l'humain qui se voit supplantée sur l'autel de la culture algorithmique au nom de la raison instrumentale et de l'efficience. Certains sont même enclins à déléguer à cette potentielle IA la gouvernance du monde au nom de l'infériorité de l'humain et de l'impartialité de la machine, qui, parce qu'elle serait dépourvue d'émotions et d'intérêts, agirait pour le bien de l'humanité. Là, je cite encore une fois un enquêté qui me dit « Il me semble que l'avènement d'une IA forte serait forcément pacifique, car tous ces calculs complexes convergerait vers une meilleure efficience algorithmique par la paix, plutôt que par la guerre, que son objectif soit le développement de l'humanité avec ou sans IA, ou le développement de l'IA avec ou sans l'humanité. » Bon. On retrouve là une vision néolibérale des transhumanistes qui applique à cette IA les théories portées par l'école du public choice, c'est-à-dire un courant économique qui postule que c'est le choix rationnel,
la rationalité qui doit l'emporter sur les passions, et l'IA incarne le système expert par excellence, le système expert sans passion, perfectionné, qui pourrait répondre à toutes ces exigences. Bon. Donc ces représentations autour de la singularité et de l'IA reposent sur une confiance quasi aveugle dans la technologie qui va jusqu'à conférer un caractère divin à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, un enquêté raconte, je cite, « On a tout intérêt à avoir une entière confiance dans la technologie et à la laisser évoluer toute seule, sans contrôle, une fois que cela sera possible. Soit on profitera des bénéfices, soit nous disparaîtrons, une forme de vie meilleure verra le jour. » L'idée là-dedans, c'est vraiment de voir, chez les transhumanistes, la façon dont ils font de l'intelligence artificielle forte, la figure du sauveur, hein, elle est censée venir en aide à l'humanité, l'aider à se développer, l'aider à prendre des décisions. Bon, c'est un statut quasiment comparable à celui que les chrétiens donnent à Dieu, en tout cas si on veut faire une analogie avec les monothéismes. Bon, qu'observe-t-on ? Donc on observe la volonté de s'abandonner dans quelque chose de plus grand. Ici, c'est une entité englobante qui prendra en charge l'humain. Donc on observe la volonté d'en finir avec l'homo sapiens. Donc la post-humanité, c'est la fin de l'homme en tant qu'entité individuelle. C'est ce que nous montre la dimension, en tout cas symbolique, de ce récit eschatologique. Tout à l'heure, je disais que les récits eschatologiques donnaient à voir quelque chose de l'ordre de la critique sociale, de la revendication. Eh bien, si ces discours sont souvent propres des marges et des dominés, qui espèrent l'avènement d'un nouvel ordre, qui serait considéré comme plus juste, dans le cas des transhumanistes, ces récits sont au contraire des discours produits par des dominants. Et à ce stade, il est important de dire que les imaginaires sont aussi la production d'une époque qui, finalement, s'exprime à travers ces récits. Donc, à quelle revendication, à quelle réalité ces récits font-ils écho ? Ce qui nous amène dans notre seconde partie, autour de l'émancipation des déterminismes biologiques et ce que cela veut dire. Dans cette seconde partie, nous allons analyser de plus près certains aspects de cette post-humanité, ce qu'elle dit de nos sociétés et comment elle dessine en réalité la fin de l'humain, par l'espoir d'en finir avec le sujet politique. Donc on a deux grandes conceptions du post-humain, et dans les deux cas, il est question de la fin de l'homme. Bon, on a d'abord un post-humanisme qui va être nourri par les approches post-coloniales, féministes et matérialistes. On va penser à Donna Haraway, on va penser à Rosie Bradotti ou à Catherine Hayes. Et donc là, c'est un post-humaniste qui va venir déconstruire l'approche anthropocentrée et universaliste de la philosophie des Lumières, qui fait de l'homme la mesure de toute chose. Parce que derrière cet universalisme, c'est l'opinion de l'homme blanc occidental qu'on retrouve. Donc la fin de l'homme, là, qui est espérée, critiquée par ces post-humanistes critiques, c'est la fin du point de vue hégémonique de l'homme blanc et la prise en compte des identités multiples dans la compréhension du monde, donc les femmes, les racisés, mais aussi prendre en compte la condition animale, etc. Bon. Cette version ne nous intéresse pas, en tout cas ici. L'autre conception, c'est celle des transhumanistes, celle qui nous tient à cœur pour cette communication. Donc, eux sont héritiers des Lumières. Ils revendiquent un idéal de liberté, d'autodétermination, et valorisent la rationalité. Donc, en appui sur une vision positiviste du progrès, ils aspirent à la fin de l'homme par sa transformation radicale vers une nouvelle étape de l'évolution. On l'a vu, on a ce moteur de l'engagement, ce moteur de récit, c'est l'impérieuse nécessité de s'affranchir de la nature, hein, de la dépendance à la nature pour devenir un post-humain. Donc il s'agit de maîtriser sa destinée en ayant contrôle sur sa biologie et donc sur le cours de sa vie. Quelles sont les revendications des transhumanistes ? C'est simple, qu'est-ce qu'ils remettent en cause ? C'est ce qu'on appelle l'incomplétude ontologique. L'injustice la plus importante pour eux, c'est la mortalité de l'humain. Bon. Et tout le transhumanisme est construit autour de cette lutte contre la finitude et sur la façon de s'en émanciper. En quoi cela est-il la revendication d'un groupe qui serait dominant, qui est dominant ? Eh bien, c'est du côté de l'identité sociale des transhumanistes que l'on peut obtenir une réponse. Mes travaux montrent qu'il s'agit essentiellement d'hommes blancs, occidentaux fortement diplômés, hein, des ingénieurs, des chercheurs, des artistes, etc., qui sont par ailleurs des amateurs de science
et aussi de science-fiction. Donc globalement, ce qu'on a, c'est un public très masculin et très cultivé, donc un public qui occupe dans l'espace social une position qui est privilégiée et qui ne nécessite pas un besoin impérieux de remise en ordre du monde, social en tout cas, puisqu'ils y sont en bonne place. Donc, ils sont aveugles finalement à leur contexte d'énonciation, ils n'ont pas conscience que leur discours est socialement situé, et c'est là finalement aussi l'expression de leur privilège, hein, de penser que leur point de vue est le point de vue universel. Bon. Pour revenir à la postulalité, leur conception de cela actualise la quête d'immortalité, mais avec un contexte spécifique qui est celui des avancées technologiques contemporaines en matière de clonage, de médecine anti-âge, etc. et qui leur donne le sentiment que pour la première fois de l'histoire, on peut envisager sérieusement la possibilité de refaçonner l'humain. Autrement dit, ils veulent en finir avec la déliquescence de la chair, d'accord ? L'ordre biologique doit être dominé pour eux. Et il s'agit d'inverser le rapport de force, de soumettre l'immaîtrisable à la volonté humaine pour être ce qu'ils appellent être pleinement soi, pour s'auto-engendrer, d'accord ? Être ce qu'ils veulent vraiment être, s'auto-définir. Donc, il n'est pas question de penser l'humain comme une créature de Dieu ou de la nature, mais de penser l'humain comme étant son propre créateur. Mais, en attendant la post-humanité, ce sont dans les techniques d'amélioration que les solutions pour améliorer les capacités humaines sont recherchées. Bah oui, en fait, l'immortalité, ils ont tout à fait conscience que c'est quelque chose de complexe, qu'ils ne connaîtront peut-être pas de leur vivant. Donc, ils vont tenter, ici et maintenant, en tout cas une partie des transhumanistes, de s'augmenter, de s'améliorer. Et ça, ça s'inscrit dans le paradigme d'humanité augmentée. Donc, ça va être s'augmenter de manière temporaire ou permanente, soit physiquement, soit intellectuellement, avec certaines techniques. Bon. Comment cherchent-ils à dépasser cette condition ici et maintenant ? Eh bien, on a des pratiques qui sont mises en place. Elles relèvent de la recherche de performance, de l'exploration de ses capacités. Et ça passe principalement par ce qu'on appelle la quantification de soi, ou l'autogouvernance. Donc c'est quoi ? C'est chronométrer ses temps de vie, le sommeil, la douche, le travail, le sport, pour savoir combien de temps ça prend et pour optimiser finalement chaque jour, chaque semaine. C'est de l'optimisation de soi comme méditer pour être productif, préparer ses repas à l'avance pour dégager du temps libre, prendre ce qu'on appelle des adjuvants cognitifs comme du modafinil pour la concentration, pour l'éveil, etc. Donc ces pratiques sont définies par les transhumanistes comme l'expression d'un mode d'existence qu'ils qualifient de scientifique et de rationnel. Au-delà du souci de soi, cette quête d'authenticité, cette quête de recherche de soi liée à des considérations existentielles autour de sa mortalité, correspond en réalité à une hyper-rationalisation des activités quotidiennes qui passe par une mise en chiffre de soi. Bon, finalement, pour revenir à notre eschatologie transhumaniste, aussi bien dans les imaginaires que dans les pratiques qui sont mises en place, elles reposent sur une conception autour de l'humain, sur un ensemble de conceptions autour de l'humain tout à fait spécifiques. D'abord, c'est arrimer un contexte technoscientifique qui pense l'humain en le comparant à une machine. L'humain, la machine, seraient finalement sur le même plan d'égalité. On compare aussi l'humain à ce qu'on appelle un système cybernétique ouvert, c'est-à-dire en communication avec l'extérieur, en communication possible avec les interactions avec la machine. Par exemple, un téléphone est une extension de votre mémoire avec les numéros de téléphone qui y sont intégrés. Donc cette façon de concevoir l'humain fait qu'il n'y a pas de différence essentielle ou en tout cas de démarcation absolue entre l'existence corporelle et la simulation informatique. Donc finalement, on n'a pas de différence de fond dans cette conception de l'humain entre l'humain et la machine. Ça, c'est l'héritage de la cybernétique et ça permet de penser la fusion humain-machine et par là de rendre croyable la prise en charge de l'humain par une intelligence artificielle, en tout cas du point de vue des transhumanistes. La seconde conception, c'est que le transhumanisme repose sur un idéal extropique. L'extropie, c'est le contraire de l'entropie. L'entropie, c'est la seconde loi de la thermodynamique qui dit que tout système clos finit par s'éteindre et disparaître.
appliqué à l'humain, l'extropie, c'est quoi? C'est un mouvement vers plus de vie. Donc, c'est d'abord la lutte contre la maladie, hein, qui réduit la potentialité de vie, la puissance de l'humain, mais aussi, c'est aussi la lutte en faveur de la mise en réseau de l'humain. Donc, l'ouverture vers d'autres systèmes, comme les humains, mais aussi comme les machines, comme le réseau Internet. Finalement, ce qu'on a comme conception de l'humain, c'est un humain qui serait réduit à la vie nue, c'est-à-dire à la substance vivante, hein, qu'on peut manipuler génétiquement ou mécaniquement, dont on peut prolonger la vie. Donc c'est dans cette logique-là. Donc c'est une conception de l'humain et de la vie qui est rejetée hors du monde politique. Et dans ce cadre, l'humain est réduit à son potentiel d'adaptabilité à son environnement et à la façon dont il peut maximiser ses compétences pour atteindre ses objectifs. L'idéal à atteindre, le dépassement de sa condition, puis la postulité qui est l'objectif final, se mesure non pas tant à l'aune des connaissances et des compétences, hein, sportives, artistiques, professionnelles, politiques, peu importe, acquises par l'expérience et par l'échange, mais se mesure plutôt en termes de capacité, d'efficience et de compétences supposées être indéfinies par ce dépassement. Donc le transhumanisme invite l'individu à devenir l'entrepreneur de lui-même en se dépassant. Il l'invite à maximiser son capital humain en se modelant pour devenir ce qu'il veut être, mais surtout pour devenir quelqu'un de compétitif et d'hyper adaptable. Donc on est en pleine mythologie de l'autoréalisation qui postule qu'il est possible de devenir pleinement maître de ses choix et de sa vie, mais sans vraiment questionner la formation même de ses normes et de ses choix ni de ses effets au niveau collectif. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le transhumanisme regarde d'abord l'individu, ensuite le collectif. En tout cas, il y a une partie du transhumanisme qui prend en compte le collectif, c'est le technoprogressisme, mais c'est pas de cela dont je parle aujourd'hui. Voilà. Donc l'objectif reste de contrôler l'immaîtrisable, donc de maîtriser l'aléa biologique, social, économique. Et il faut bien comprendre que la mission transhumaniste consiste à maximiser la vie en elle-même, en émancipant l'humain de tout déterminisme naturel, afin de créer le post-humain. Et cette réduction de l'humain à la vie nue correspond à ce que le néolibéralisme fait subir à la société et aux politiques. C'est-à-dire qu'on va assister au démantèlement du collectif, puis de l'individu, en le réduisant à cette portion congrue du biologique et de sa valeur capitalisable. On est en plein biocapitalisme, qui a été initié par la biomédecine, hein, qui réduit l'humain à des pièces qu'on pourrait changer, à des pièces qu'on pourrait vendre aussi. Bon. Mais cela n'est pas si étonnant lorsqu'on sait que le transhumanisme entretient des affinités électives avec le néolibéralisme. En réalité, il en est l'une de ses émanations, c'est même une chambre d'écho de ses attentes. Donc par néolibéralisme, on entend, au sens de Dardot et Laval, un ensemble de discours, de pratiques, de dispositifs qui déterminent un nouveau mode de gouvernement des humains selon le principe universel de la concurrence. Donc en fait, c'est une rationalité qui va structurer à la fois l'action des gouvernants, okay, mais aussi la conduite des gouvernés eux-mêmes. Donc cette forme de l'existence contemporaine va intimer aux individus de se comporter envers eux et envers les autres en fonction de normes qui sont celles de la rationalité entrepreneuriale et de ses principes gestionnaires. Et dans un cadre qui est celui des représentations donc néolibérales de la subjectivité, c'est-à-dire où les questions de se trouver soi, d'accéder à son vrai soi, pour produire, vrai entre guillemets, pour produire la meilleure version de soi-même, eh bien, les technosciences apparaissent comme la solution permettant de remédier à la finitude de l'être. Et cette quête de perfectibilité du corps, de l'existence, par le biais des biotechnologies, devient, comme le souligne la sociologue des sciences, la philosophe des sciences, le dit Karine Knorr-Cetina, l'ultime horizon du monde contemporain. Et c'est là que se trouve la dimension non plus symbolique, mais bien politique et éthique de l'eschatologie transhumaniste. Donc on voit plusieurs niveaux dans cette eschatologie. Alors celle des imaginaires qu'on a décrit en première partie, qui fait de l'IA et de la singularité la voie du post-humanisme. Donc c'est un monde où l'humain est dépossédé de lui-même, puisqu'il se fond dans la totalité d'une entité plus importante que lui. Et cette dimension symbolique, imaginaire, rapportée à l'ici et maintenant, rapportée au fonctionnement de nos sociétés, donc rapportée à la dimension politique des pratiques et des aspirations transhumanistes, montre finalement la volonté de réduire l'humain à sa dimension biologique, c'est ce que je disais, mais aussi d'abandonner toute forme de gouvernance à un système expert créé par lui, par l'homme,
par l'humain, mais dont il en perdrait le contrôle. Donc pour conclure, que nous disent ces attentes eschatologiques de la perspective post-humaniste ? Eh bien, si le transhumanisme n'invente rien en mobilisant les rêves d'immortalité, de résilience, de santé et de jeunesse, le transhumanisme incarne toutefois la manière la plus explicite et la plus exacerbée d'aspirer à optimiser radicalement l'humain. Donc le pouvoir de reconfiguration qui est conféré à l'intelligence artificielle, est intéressant à plus d'un titre. Il permet de mettre en lumière ce qu'on appelle un transfert de transcendance opéré du religieux vers les technologies. La transcendance ne vient plus du religieux, elle émane des technologies. Là, c'est le discours qui montre ça. Et donc, à ces discours arrimés aux technosciences, on a des imaginaires qui correspondent et qui montrent des attentes de transcendance qui, là, renouent avec une forme de religiosité lorsqu'on les pousse à leur paroxysme, typiquement la singularité. Bon. En décrivant la science et la technique comme une voie de salut, on voit que le transhumanisme glisse d'un discours qui se veut scientifique, ou relevant de l'enthousiasme technophile, vers un engouement qui transpose sur le plan scientifique des aspirations mythiques classiques. On a l'immortalité, on a la création d'êtres vivants, on a la déification de l'humanité. Donc finalement, ça va venir réactualiser une quête qui est finalement endémique à l'humain. Mais derrière les promesses d'une société meilleure, en tout cas considérée par meilleure par les transhumanistes, se cachent les impératifs de la société capitaliste. On a la performance, on a l'efficacité, on a la rationalisation. Et le sociologue Nicolas Ledevec le dit très bien, cette perfectibilité recherchée s'apparente davantage à l'adaptabilité de l'être humain qu'à son émancipation. Et cette tendance est particulièrement saillante dans ce besoin de colonisation de l'humain par la technique qui révèle le besoin de s'en remettre à quelque chose de plus grand, tendant vers l'absolu. Car alors que les transhumanistes se caractérisent par un individualisme fort et une volonté de contrôle accrue, leurs imaginaires laissent paradoxalement apparaître un besoin d'hyperconnexion, d'abandon de soi. Il y a vraiment ce paradoxe qui se love ici. Ce qui est fantasmé dans la transcendance, celle de la post-humanité, c'est finalement d'entrer dans un régime d'indistinction, celui de la fusion humain-machine, celui du brouillage des frontières entre vivants et non-vivants, et celui du temps. On n'a plus de temporalité. Une fois que Sapiens n'existe plus et que le post-humain existe, il n'y a plus ni futur, ni présent, ni passé. C'est une sorte de futur continu, nourri par les données qui sont générées. Et ce qu'on voit, c'est finalement le souhait de rejoindre une sorte de totalité et donc de perdre son individualité. Donc cet horizon d'attente, qui s'exprime au travers de la dimension symbolique des récits sur la singularité, montre un projet politique colonisateur des corps, une société d'hyper-contrôle, et qui, s'il libère de la biologie et de sa cruauté, dessine aussi la fin de l'individu pour en faire un sujet soumis aux injonctions de la concurrence. L'émancipation, telle qu'elle est appréhendée par le transhumanisme, est une émancipation qui est illusoire, aliénante, et qui confond émancipation et extension de son pouvoir sur soi, et abandon de son pouvoir politique. Et donc, l'eschatologie, la fin de l'humain, la fin de Sapiens, proposée par le transhumanisme, pourrait bien être la fin de l'humain tel qu'on l'entend aujourd'hui, avec sa capacité décisionnelle aussi. Je vous remercie. Maintenant, je vous libère, vous êtes autorisé à partir. Voilà, merci à vous. Non, c'est surtout merci à vous d'être là et bravo, parce que je pense que tous ceux qui sont là et maintenant étaient là à midi pour le début, j'imagine. Hein, voilà, oui. Bon, allez, bah écoutez, alors demain, 10h, 10h30 même, non, 10h, 10h, avec le cours fil vert de Patrick Lécureuil. Et puis on va commencer la semaine de festival. Voilà, en attendant, bonne nuit, reposez-vous, et puis à demain.